Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. Merci de rejoindre vos places. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues, merci de votre présence pour ce conseil municipal du 18 novembre. Avant de commencer, simplement pour vous dire que les règles sanitaires en vigueur n'étaient pas connues au moment de l'envoi de la convocation, c'est-à-dire que l'envoi de la convocation au moment de la date, on était obligé de vous convoquer dans la salle du conseil municipal, parce que c'est une obligation légale d'être dans la salle du conseil municipal pour le conseil. Et puis, dans le délai des 5 jours de réception de l'envoi, le décret est tombé qui permet de continuer à faire les conseils municipaux dans les grandes salles. Donc la prochaine fois, nous reviendrons effectivement dans la salle Anatole France. Si nous avions dû changer le lieu, il aurait fallu une raison qui aujourd'hui n'était pas valable, simplement de ne pas connaître encore les décrets d'application, ce qui fait qu'on aurait dû annuler le conseil municipal, reconvoquer encore le conseil avec 5 jours francs. Et donc, nous avons préféré continuer le conseil ici, où vous êtes espacés sur des tables différemment par rapport au U habituel dans cette salle du conseil municipal, avec le port du masque, s'il vous plaît, chers collègues, quand vous ne prenez pas la parole. Pour ceux qui ont des micros pour deux, merci de garder le masque quand vous parlez, pour éviter tout problème également. Et je vais donc passer à l'appel nominal. Laurence Rouen, oui. Jean-Pierre Cazes, Josy Bail, présent. Charles Marbeau, présent. Joaquina Venberg, Christian Bordenave, présent. Marie-Lys Potron, présent. Éric Prolat, présent. Fatia Bancal a donné pouvoir à Marie-Hélène Scotti, Gérald de Trappy, présent. Marie-Claude Andrieux-Courbin, Marc Léturgy, présent. Marie Lasserre est présente et à son départ donnera pouvoir à Michael Destombe, Christophe David Bordier, présent. Florence Malga, présent. Joël Cadraon, présent. Marie-Hélène Scotti, présent. Stéphane Fradin, Marion Chamberon, Michael Destombe, présent. Farida Moubi, présent. Corinne Gondoneau, présent. Alain Banquier donne pouvoir à Marc Léturgy, Joël Isus, présent. Fabien Rué, présent. Hélène Lehmann donne pouvoir à Fabien Rué, Adi Benfedou donne pouvoir à Paul Fauvel, Jacqueline Simonet, Paul Fauvel, Christine François, présent. Julie Tégérizo, oui. Lionel Frel, présent. Stéphanie Poncet, oui. Stéphane Lebert. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. On propose Christine François. Est-ce qu'elle accepte ? Très bien, vous êtes donc secrétaire de séance. Il vous est d'abord proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2021. Madame François. En principe, j'ai le pouvoir de Madame Simonet. Il n'est pas reçu à ce jour. Elle a envoyé par mail Hier. Elle a envoyé à qui ? Je ne peux pas vous répondre, à vos services. Est-ce que vous étiez en copie de l'envoi du pouvoir ? Non. Pour nous le retransférer ? Je n'ai pas copie de l'envoi. Ah. Bon. Mais elle me l'a confirmé hier, qu'elle avait envoyé le pouvoir. Ben, au niveau des services, il n'a pas été reçu, donc on tient à s'excuser. En tout cas, on va quand même regarder dans nos boîtes mail à l'instant, et puis on vous dira. Monsieur Frel. Oui, merci, monsieur le maire. Même si la situation sanitaire nous oblige à ne pas déménager à la salle Anatole France et à adopter une organisation de salle bien inhabituelle, on ne peut que regretter cela. On ne peut que la regretter pour la teneur des débats. Il est évident que cette organisation en salle de classe, avec les mauvais élèves au fond, est obligé de lever bien haut la main pour pouvoir prendre la parole, ne va pas être du plus simple à gérer. Et puis nous sommes dans une petite salle, nous sommes confinés dans l'éducation nationale. À l'heure actuelle, les cours se déroulent fenêtres ouvertes, en tout cas dans la mesure du possible, alors que nous sommes en plein hiver. À cette heure-ci, on va peut-être pouvoir s'en épargner, mais j'ai envie de vous donner... Demandez, monsieur le maire, à vous aussi de porter le masque, ne serait-ce qu'à titre d'exemple.
puisque devant les Bergeracois, il me semble important de montrer l'importance de cette protection et de tout faire en sorte pour éviter que notre conseil municipal se transforme en un nouveau cluster. Merci, Monsieur Frel. En bon maître de classe que vous avez été, vous savez très bien que même ceux du fond de la classe, quand ils lèvent la main, on leur donne la parole, il n'y a aucune raison, et que votre place, au fond, n'a pas été choisie, comme ça pourrait l'être, comme certains aiment choisir au fond de la classe, pour être sûr de ne pas prendre la parole, puisqu'on est sûr que vous prendrez la parole, et vous inquiétez pas, elle vous sera donnée le plus régulièrement possible sur ce point de vue-là. Deuxième chose, je vous rappelle que quand vous voulez prendre la parole, vous appuyez sur les boutons et d'ici, je vois très bien le micro s'allumer. Donc une double façon pour moi quand même de voir le souhait de pouvoir s'exprimer. Donc vous n'avez aucune crainte à avoir, Monsieur Frel. En ce qui concerne le port du masque, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on va porter tous le masque pendant l'ensemble de la séance. Mais quand on prend la parole, effectivement, comme je le fais là sur plusieurs délibérations successives, je l'enlève, ne vous inquiétez pas, je le remettrai le plus souvent possible pour prendre le moins de risques pour moi et surtout pour les autres. En ce qui concerne l'approbation donc, du procès-verbal qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Sur l'ordre du jour, il vous est proposé deux modifications. La première, c'est de retirer le dossier numéro 24, qui est la cession d'un bien communal rue Alain Fournier au profit de M. Albin Mort, puisque celui-ci s'est rétracté, donc la maison est toujours à vendre, et puis d'ajouter une motion à la demande de Mme Tégérizeau et M. Frel concernant l'extinction totale ou partielle de l'éclairage public à Bergerac. Et donc on vous donnera la parole pour la présenter. Sur cet ordre du jour modifié, est-ce que des personnes sont contre, s'abstiennent, adoptées à l'unanimité? Vous avez donc les dossiers des décisions. Décision prise par moi-même et les adjoints dans le cadre des délégations reçues. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Et on passe donc au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, SDE 24, pour le rapport d'activité de l'année 2020. C'est Christian Bordenave qui le présente et je vais donc remettre mon masque. Merci, Monsieur le maire. Mais moi, j'ai enlevé le mien. Et donc, effectivement, rapport d'activité, bon, comme chaque année, je pense que je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Bon, il y a un certain nombre d'éléments qui sont marqués à l'écran. Donc, il s'agit effectivement de donner la communication au conseil municipal donc, du rapport d'activité 2020 du syndicat d'électrification et d'énergie 24. Donc un certain nombre d'éléments sont marqués que je reprends, donc 11 708 km de réseau en matière d'électricité, 13 707 km de réseau basse tension en électricité également, 14 600 disposent de transformation, 280 532 usagers du service et je marque un élément, 138 minutes la durée moyenne des coupures. Je rappelle qu'elle était de 527 en 2018 et 280 en 2019. Donc on est en baisse et c'est très bien pour nos concitoyens. En ce qui concerne le gaz, dont 1532 km de réseau en gaz naturel, 17 km de réseau gaz propane, soit 98 communes desservies, 49 646 abonnés, dont le budget est près de 45 millions en recettes et près de 40 millions d'euros en dépenses. Moi, je note également 21,8 millions, 22 millions travaux sur les réseaux électriques, dont 3 millions aujourd'hui sur l'effacement des réseaux et en milieu rural, dont c'était essentiellement en 2020 en milieu rural. Et je rappelle qu'à partir de maintenant, même le milieu urbain peut avoir accès à ce programme et nous en bénéficions d'ailleurs, au moins sur la route de Bordeaux, dont nous continuerons, nous également, à avoir un programme d'effacement de réseaux. Bon, le syndicat d'électrification est aussi dans les notions de développement durable. Bon, au niveau de l'éclairage public, on l'a souvent abordé, puisqu'on l'a abordé pour nous-mêmes, avec les économies que nous observons. Je dis également que la SEM 24 Périgord Énergie, qui est
une SEM dont la, pour laquelle le SDE 24 est majoritaire, fait aussi dans la transition écologique, puisqu'ils ont un gros programme de photovoltaïque, notamment en matière de couverture, et nous en bénéficions. Donc ils ont 211 projets aujourd'hui qui sont essentiellement liés au photovoltaïque. Donc voilà, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre si je peux, mais il n'y a rien de particulier, si ce n'est que c'est un syndicat qui fonctionne, qui nous on en retire quand même des bénéfices, puisque nous avons bénéficié de 50% de la participation du SDE sur le programme d'éclairage public jusqu'à cette année, et sur la prochain quinquennat, nous allons bénéficier également de leur subventionnement, mais à hauteur de 35%. Voilà, monsieur le maire, quelques éléments que je voulais donner au conseil municipal. Merci, monsieur Bordenave. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Oui, monsieur Frel. Oui, merci, monsieur le maire. Quelques très courtes réflexions. Je garde le masque pour parler, si vous le permettez, c'est tout à fait possible. Souligner tout d'abord le travail positif mené par le SDE sur les énergies renouvelables, mais dire aussi quand même notre inquiétude sur les micro-coupures qui, même si elles se vont connaître une réduction, ces micro-coupures restent encore très importantes, plus qu'ailleurs. On espère que cet effort d'enfouissement va pouvoir continuer. Il est aussi nécessaire qu'il soit augmenté, puisque le réchauffement climatique, le dérèglement climatique entraîne des événements climatiques majeurs qui impactent de plus en plus aussi ces lignes aériennes. Et puis, souhaiter que ce travail, notamment sur les énergies renouvelables, au lendemain de la COP26, puisse se poursuivre et s'amplifier dans toute la Dordogne, mais plus spécifiquement en Bergeracois et à Bergerac. Merci, monsieur Frel. Nous partageons ce souhait d'effort, puisque dans le programme pluriannuel d'investissement, on le verra tout à l'heure dans le rapport d'orientation budgétaire, il y a des financements qui sont vraiment fléchés par la ville de Bergerac, et c'est tout l'enjeu de la convention qui a été signée entre le SDE et la ville de Bergerac cet été, avec monsieur Dussène, avec Christian Bordenave, Alain Castan qui était également présent. Et puis il y a également l'ensemble des réseaux supplémentaires, c'est-à-dire hors convention, et on verra également une de ces délibérations tout à l'heure sur la route de Bordeaux ou encore sur la place Gambetta. C'est notre souhait d'aller encore plus vite sur le changement des points lumineux défectueux sur la ville de Bergerac, de faire des économies d'énergie sur notre territoire. Et puis vous le verrez également, on verra dans l'Europe tout à l'heure, j'en suis sûr, dans le débat, tous les travaux à économie d'énergie sur l'ensemble des bâtiments de la ville de Bergerac que nous souhaitons mettre en œuvre. Sur cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, adopté, c'est un rapport. On passe donc au dossier suivant. Ce sont des subventions aux associations de l'année 2021, les dernières, c'est-à-dire les attributions complémentaires telles qu'on les avait vues précédemment. Christophe David Bordier. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, nous sommes revenus à plusieurs reprises sur les subventions qui avaient été attribuées l'an passé, au moins 4 fois le 4 février, le 25 mars, le 27 mai, le 1er juillet dernier. Donc nous revenons sur ces attributions complémentaires pour deux associations sportives, le SNB et les Enfants de France. Donc il se trouve que pour chacune de ces deux associations, il y a des raisons donc, qui génèrent cette attribution complémentaire. Pour le SNB, donc, nous avions suspendu, ils avaient fait une demande il y a quelques mois, et nous avions suspendu cette autorisation de subvention complémentaire au fait qu'ils avaient deux épreuves, mais ils ne savaient pas encore s'ils allaient pouvoir qu'elles se déroulent ou pas, on ne savait pas à l'époque. Donc il se trouve qu'ils ont effectué deux championnats et donc deux déplacements qui ont généré des dépenses que nous entendons donc subventionner. Ceci pour le SNB. Pour les Enfants de France, comme vous le savez, les Enfants de France, c'est la seule association qui possède ses propres locaux et qui donc gère ses locaux, les fluides, etc. Donc voilà, et les charges inhérentes. C'est la seule association en Bergerac. Et il se trouve qu'ils ont fait une demande complémentaire pour subvenir à ses besoins donc en termes d'occupation de leurs locaux. Donc il est proposé d'attribuer un montant complémentaire de subvention à l'association Les Enfants de France de Bergerac de 4 000 euros et au sport nautique bergeracois de 6 000 euros.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, chapitre 65, compte 65-74. Merci. Merci, Monsieur David Bordier. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Frêle? Oui. Merci, Monsieur le maire. J'ai envie de dire un seul mot. Enfin, en cette fin d'année, on connaît le montant, sauf si vous en présentez encore au mois de décembre, on connaît enfin le montant de l'enveloppe des subventions aux associations. Nous continuons à dénoncer cette volonté d'agir au fil de l'eau sans vraiment savoir où on va et de s'adapter. On a voté des subventions, je crois, aux associations, je crois, à tous les conseils municipaux. Et vous conviendrez aisément qu'il est difficile d'avoir une vraie visibilité sur l'ensemble de tout cela. Même si maintenant, nous avons un récapitulatif qui est joint à cette délibération. Les associations doivent avoir une lisibilité des aides apportées. Elles doivent aussi avoir une visibilité sur les critères d'affectation des subventions. C'est ce que nous vous demandons depuis notre élection. Nous voulons que notre ville ait un règlement d'intervention qui soit clair en ce qui concerne les critères d'affectation des subventions. Nous voulons que les associations soient associées à cette élaboration de règlement d'affectation. Et ça pourrait être tout à fait le rôle de la commission municipale des sports, si tant est qu'elle finisse par être réunie par vos soins. Je crois que nous le devons aux bénévoles associatifs qui donnent tant pour notre ville, pour son attractivité et pour ses habitants. Merci, Monsieur Frêle. Vous disiez, vous commenciez vos propos par le mot « enfin ». Oui, enfin, enfin un travail de concertation. Enfin un travail de dialogue qui a été mené entre la ville de Bergerac et les associations sportives. Enfin, le souhait d'une municipalité de voter au premier conseil municipal de l'année des avances de trésorerie à toutes les associations qui ont tant souffert par cette crise sanitaire. Et enfin, un travail coopératif entre la ville et ses clubs pendant toute l'année et d'avoir des votes de subventions en fonction des besoins. Et non pas parce que c'était une habitude. On casse le « c'était comme ça avant ». Eh bien non, on travaille avec les associations. Quel est le projet porté par le club ? Quelles sont les orientations données aux jeunes ? Est-ce qu'il y a une école pour les jeunes ? Est-ce qu'il y a un sport loisir, un sport de compétition ? Et donc c'est ce travail-là que l'on doit mener ensemble. Et c'est mon collègue Christophe David Bordier, Stéphane Fradin, qui l'ont mené tout au long de l'année auprès des clubs et sur les terrains de sport. Et je vais laisser la parole à mon adjoint répondre. Oui, merci, monsieur le maire. En complément, puisque monsieur Frêle a évoqué deux points, le deuxième point, c'était de savoir sur quels critères étaient attribuées les subventions. Et justement, il y a encore une heure à peine, j'étais en réunion et nous avons finalisé un dossier donc, qui concerne les subventions attribuées à l'ensemble des associations et pas seulement les associations sportives. Et nous allons mettre en ligne à partir de lundi prochain cette plateforme qui va permettre de renseigner. Et je rappelle à monsieur Frêle que nous avons aussi mis en place une commission des sports et au cours de laquelle nous allons travailler opposition et majorité tous ensemble dans un dialogue fructueux, je l'espère, la base des subventions que nous allons attribuer. Donc n'ayez aucune crainte, monsieur Frêle, nous avons entendu les appels du pied et nous y répondons. Merci. Merci, monsieur Christophe David Bordier. Madame Tégérizeau. Donc ça induit, parce que là on est quand même sur une enveloppe qui a baissé de 250 000 euros, j'entends bien la crise. Mais là, dans ce que vous nous dites, ça induit qu'on va revenir à la normale pour 2022. Non, ce qui avait été convenu lors de la création de la commission extra-municipale des sports, comme vient de le dire mon collègue, c'est qu'il y ait un travail qui soit réalisé par cette commission extra-municipale avec tous les élus de l'opposition, avec les élus de la majorité, avec les clubs qui pourront venir travailler à nos côtés et de définir ensemble une stratégie sur du long terme sur le vote des subventions aux associations sportives et autres, quelles qu'elles soient. Est-ce que demain, vous voulez que l'on continue à subventionner du fonctionnement des clubs à Bergerac ou est-ce qu'on répond les subventions en fonction d'appels à projets ou de thématiques particulières ? Est-ce qu'on donne des subventions supplémentaires ou est-ce qu'on majore une subvention en fonction du fait qu'il y ait une école de jeunes ou pas ? Est-ce qu'on majore des subventions s'il y a un sport loisir ou compétition ? Voilà, c'est ces questions-là que la commission extra-municipale des sports, vous, chers collègues,
nous déciderons ensemble de façon à pouvoir adopter en conseil municipal une telle pratique. Ce qui est certain, et ce que disait mon collègue, c'est que nous avons mis et nous sommes en train de mettre en place une plateforme informatique numérique qui va permettre à toutes les associations de Bergerac de pouvoir faire leur demande de subvention, de suivre entièrement leur dossier de relation entre la ville et elle-même, et puis qui pour nous permettra également d'avoir un suivi très rapide, très efficace entre l'ensemble des associations et la ville de Bergerac. Donc il y a du progrès qui se fait, l'outil numérique, la création de la commission extra-municipale, et en tout cas, ça c'est vraiment les orientations de 2022, et vous savez que pour 2021, c'était la concertation qui primait en fonction des besoins, puisque nous avions voté pour l'année 2020 la totalité des subventions, malgré la crise sanitaire. Mes chers collègues, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Alors, M. Fauvel qui n'a pas encore parlé, puis M. Frel qui veut re-intervenir. Bonsoir à tous. Juste pour revenir sur la création de la commission extra-municipale du sport, la première réunion, si je ne me trompe pas, est le jeudi 9 décembre, c'est ça ? Et on vote les subventions en janvier, il me semble, par rapport à ça ? Non. Alors, M. Fauvel, en fait, habituellement, les subventions étaient votées au mois de mai-juin, à peu près, au conseil municipal de mai ou de juin. Okay, là, ce qu'il y a, c'est que vous avez connu, comme nous, sur cette première année de mandat, le souhait de notre municipalité, de notre majorité, de voter les subventions dès le mois de février pour qu'elles aient très rapidement de la trésorerie. Bon. Maintenant, on n'a pas d'urgence à voter les subventions. Si on veut se donner le temps de la commission extra-municipale, on peut revenir dans un roulement tel qu'il était précédemment sur un vote de subvention au mois de mai, sachant que pour les grosses associations, celles qui ont des montants de subvention très importants, il était toujours voté au mois de février une avance financière permettant ensuite d'être régularisé au moment du vote de la subvention. D'accord, c'est l'objet de ma question, effectivement, de ne pas se précipiter sur une grille d'attribution et d'avoir le temps de concertation, comme vous l'évoquiez. On est bien d'accord. Et puis cette grille, pour nous, elle peut être aussi évolutive dans le temps. Voilà. Okay, monsieur Christophe Aidebordier, puis monsieur Frel. Un complément de réponse à Paul. En fait, on a demandé, et j'ai insisté cet après-midi, pour qu'on mette en rouge, surligné, ce qu'on veut, que c'est, la date était au 31-12 de remise de l'ensemble des renseignements que l'on demande sur cette plateforme. Donc ça va être très très important. Donc c'est vrai que ça ne laisse que 5 semaines, mais vous verrez, la plateforme est très intuitive, et on la présentera d'ailleurs le 9 décembre lors de la réunion de la commission extra-municipale du sport. Monsieur Frel. Oui, merci monsieur le maire, merci monsieur l'adjoint. Je vois qu'on vous a convaincu sur un dossier que nous avons voté le 23 septembre dernier, sur la commission extra-municipale des sports. Je vous rappelle que nous sommes intervenus pour réclamer une vraie commission extra-municipale des sports et que vous vous êtes tenus à faire une commission municipale des sports. Donc nous n'avons pas de commission extra-municipale qui associe dans ses statuts des personnalités extérieures au conseil municipal. Nous avons une commission municipale, nous avons dit qu'elle pourrait être ouverte et que vous inviteriez finalement, suivant le bon vouloir du président de la commission, monsieur le maire, les personnes que vous souhaiteriez, mais nous n'avons pas de commission extra-municipale des sports qui permette de faire ce travail approfondi de fond avec les acteurs concernés. Nous avons une commission municipale des sports. Alors, monsieur Frel, vous essayez de jouer sur les mots. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous, et vous le savez. Il n'était pas possible, dans le cas de la création de la commission extra-municipale, de mettre les noms de l'ensemble des clubs sportifs ou des associations culturelles de Bergerac. Donc forcément, la commission, elle est extra-municipale avec des élus qui ont été élus au sein de notre instance. Et ensuite, celles et ceux qui voudront venir travailler à nos côtés viendront. Et vous le savez, monsieur Frel, depuis notre élection, la porte est ouverte à tout le monde, à toutes les réunions, quelles qu'elles soient, s'ils veulent contribuer à faire avancer et rayonner Bergerac sur son territoire. Donc oui, celles et ceux qui voudront venir travailler à nos côtés seront toujours les bienvenus. Mes chers collègues, on passe au vote de ce dossier qui est contre ces subventions, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. On passe donc au dossier suivant, la constitution d'une provision pour dépréciation des créances douteuses. C'est notre collègue Marion Chamberon qui la présente. Oui, merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, constituer une provision comptable est une dépense obligatoire pour répondre au principe de prudence contenu dans le plan comptable général. Il s'agit de faire apparaître comptablement une dépréciation ou un risque de retard de paiement, et elle doit être constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimée.
Un indicateur mesure donc le niveau de provisionnement atteint pour dépréciation de créances et s'assure que celles en reste à recouvrer depuis plus de 2 ans font l'objet d'une dépréciation à minima à hauteur de 15%. Pour l'année 2021, le comptable public a transmis le détail des créances de plus de 2 ans pour lesquelles un provisionnement de 11 147,65 euros est à effectuer. Il est donc proposé au conseil municipal de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 15% des restes à recouvrer, soit 11 147,65 euros, et de réviser chaque année son montant par rapport à l'état des restes à recouvrer constaté au 31 décembre N-1 en appliquant le taux de 15%. Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6817, dotation aux provisions des dépréciations des actifs circulants, au chapitre 68, lors de la prochaine décision modificative de l'exercice 2021. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant, décompte des échanges financiers entre la ville et la CAB. C'est toujours Marion Chamberon qui présente. Oui, merci. Le conseil municipal, par délibération du 12 décembre 2013, a adopté les conclusions de la commission locale d'évaluation des charges transférées relatives aux refacturations des prestations que la ville de Bergerac doit verser à la CAB au titre des compétences transférées et réciproquement. La ville fournit aussi des prestations pour le compte de la CAB et prend en charge certaines dépenses que la communauté d'agglomération bergeracoise s'engage à lui rembourser. Le total des prestations dues par la ville à la CAB représente 118 166 euros, avec un total collecte de 66 849 euros pardon, pour les mercredis du jazz, les musées, la piscine, VPTJ, etc., et une régularisation du marché carburant hors collecte pour 51 277 euros. Le total des prestations dues par la CAB à la ville s'élève à 371 017 euros avec un total collecte de 347 251 euros pour les centres de loisirs, l'intervention du centre technique municipal et du service patrimoine, la fourniture de produits d'entretien par exemple, et 23 766 euros hors collecte pour les charges de copropriété de l'immeuble Bellegarde, l'intervention des éducateurs sportifs dans les crèches, l'utilisation du CTM pour les véhicules CAB, etc. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le décompte de ces prestations croisées entre la ville de Bergerac et la CAB pour l'année 2020, d'arrêter les comptes au montant suivant, total dû par la CAB à la ville, 347 251 euros au titre de la CLECT, 23 766 euros au titre des échanges hors CLECT, et le total dû par la ville de Bergerac à la CAB, 66 889 euros au titre de la CLECT et 51 277 euros pour les échanges hors CLECT. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. On passe donc au rapport d'orientation budgétaire 2022. Mes chers collègues, ce deuxième budget de la mandature est pour nous un moment important et on a souhaité un budget à haut niveau d'investissement. Et pour avoir ce haut niveau d'investissement, nous devons au préalable avoir un budget de fonctionnement maîtrisé tout en maintenant un haut niveau de service public. Le haut niveau d'investissement 2022, nous aurons la présentation tout à l'heure, avec plus de 9 500 000 euros investis à Bergerac en 2022. Un budget de fonctionnement maîtrisé à hauteur de 31 millions d'euros, avec la baisse des charges de personnel, et on l'expliquera tout à l'heure, et la maîtrise des charges à caractère général. Un haut niveau de service public, je le disais, avec la création de services publics supplémentaires, le campus connecté pour une année pleine, le service des encombrants, le souhait d'organiser un festival de théâtre à Bergerac. Et donc, Michael Deston fera un point sur l'année 2021 en cours en introduction de présentation. Et Marion Chamberon présentera les orientations budgétaires détaillées pour l'année 2022. Sur le contexte, M. Frey a abordé tout à l'heure la COP26. Effectivement, on peut le dire, le bilan plutôt mitigé de la COP26 qui s'est tenue à Glasgow et qui nous incite à faire plus
sur le territoire, faire plus sur les travaux à économie d'énergie, faire plus sur la végétalisation, et on voit qu'il y a des crédits supplémentaires, et faire plus sur la plantation, et là encore, des crédits supplémentaires. Ensuite, la situation sanitaire, on ne peut pas l'éviter, et le porte-parole du gouvernement a annoncé hier que nous sommes entrés dans la 5e vague. Nous devons donc inciter à se faire vacciner et respecter les gestes barrières. Alors, dans le texte d'Europe qui vous a été envoyé, mes chers collègues, on a rédigé sur le contexte et on voit bien la reprise amorcée depuis le printemps et l'augmentation de la couverture vaccinale qui permettent ou qui permettrait une croissance toujours soutenue en 2022. Il a annoncé des chiffres à plus 4% après un fort rebond en 2021 à plus 6%, mais on connaît la base de 2020. Bien sûr, des mesures de soutien et de relance prises par le gouvernement pour faire face à la crise de la Covid-19 et ont permis d'en limiter les conséquences économiques et sociales et ont favorisé un rebond rapide de l'économie. Cependant, le principe du « quoi qu'il en coûte » annoncé par le président de la République a accru considérablement le déficit du pays, passant de 178 milliards d'euros en 2020 à 220 milliards après crise. Quand et comment sera remboursé ce déficit ? Au niveau global, l'activité économique est désormais proche de son niveau d'avant-crise. D'ailleurs, dans son point de conjoncture de septembre 2021, l'INSEE juge ainsi que l'activité en août était inférieure de seulement 0,7% de son niveau fin 2019. La couverture vaccinale a progressé après l'instauration du pass sanitaire et elle est désormais parmi les plus hautes d'Europe, ce qui permet d'envisager une levée progressive des restrictions sanitaires toujours en vigueur. En tout cas, on voit depuis l'écriture du ROB et quand il vous a été envoyé que depuis, quelques restrictions supplémentaires ont été mises en œuvre sur l'ensemble du territoire, comme par exemple le masque dans les écoles. Mais l'activité dépasserait son niveau d'avant-crise avant la fin de l'année. Alors bien sûr, cette dynamique devrait être accompagnée par le plan France Relance qui soutient l'emploi, l'activité, les mesures socio-fiscales et notamment la poursuite de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Malheureusement pour les collectivités, il s'agit d'une confiscation d'une ressource importante. L'État a préféré retirer un impôt communal plutôt qu'un impôt qu'il perçoit. Cette suppression retire l'autonomie des communes. Pire, la personne qui habite un territoire, par sa contribution, participait au financement des services publics qu'elle sollicitait et des services publics de proximité. Alors la situation financière des collectivités locales, et revenons plus près du territoire, elle devrait s'améliorer en 2021 et 2022. Les collectivités territoriales sont entrées dans la crise sanitaire dans une situation financière plus favorable que lors de la crise de 2009, affichant une épargne brute de 35 milliards à la fin de l'année 2019, ainsi qu'un excédent budgétaire. La situation des finances locales avait notamment été confortée par le dynamisme des recettes fiscales au cours des années, ayant précédé la crise, mais aussi par la maîtrise des dépenses de fonctionnement observées. Et on sait ici, sur le mandat précédent, tous les efforts sur le budget de fonctionnement qui ont été réalisés par les élus et par les services. Les mesures de compensation des pertes de recettes instituées au profit des collectivités dans le cadre du plan de relance n'ont que peu profité à la commune de Bergerac, qui, sur le million d'euros de crédits supplémentaires, on l'avait vu, affectés à la gestion de la crise sanitaire, n'aura perçu que 50 000 euros de l'État au titre d'une participation à l'achat de masques de protection aux normes, soit une subvention d'à peine 5% de l'État dans cette crise sanitaire. En 2021, les premières remontées comptables montrent une forte amélioration de la situation financière de l'ensemble des collectivités par rapport à 2020, mais aussi à 2019. Enfin, la crise sanitaire a démontré l'inadaptation d'une réponse centralisée et l'efficacité de la gestion de proximité incarnée par les communes. Nous devons donc poursuivre la défense des communes contre les excès du centralisme, préserver et renforcer les libertés locales et veiller à ce que l'État,
donne aux collectivités des moyens financiers à la hauteur des enjeux colossaux que nous devons relever quotidiennement. Mes chers collègues, je vais laisser Michaël Destombes présenter et nous faire un point d'étape sur ce budget 2021 et ensuite Marion Chamberon, la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2022. Michaël Destombes. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors je vais vous faire un petit point d'étape sur 2021. Malgré la crise que nous avons traversée et les lourdes dépenses qui sont liées avec notamment les masques, le gel hydroalcoolique, la gratuité des terrasses, et j'en passe, et donc peu de recettes, il est quand même désormais envisageable que le résultat soit en hausse pour retrouver un niveau équivalent à 2019, à 2,6 millions d'euros. Parmi les faits marquants de cet exercice, il y a eu l'ouverture du campus connecté, la mise en place d'un service d'enlèvement et ramassage des encombrants, le renouvellement de petits et gros matériels pour l'entretien et la propreté de la ville, balayeuses, polybennes, tracteurs. Suite à une réorganisation des différents services et des départs en retraite, les charges de personnel baissent de 1,5%. En ce qui concerne la trésorerie de la ville, elle est saine et en nette amélioration par rapport à 2020. Les lignes de trésorerie n'ont été mobilisées que 7 jours. Quant au niveau de l'épargne, il a été contrarié par la crise, mais grâce aux efforts de gestion, on est proche de l'équilibre. L'endettement, quant à lui, se situera autour de 31 millions d'euros, avec le transfert de l'eau potable et de l'assainissement aux établissements gestionnaires et l'intégration du budget de l'abattoir à celui de la ville. Le capital restendu reste inférieur à 2020. Les emprunts nécessaires aux investissements sont déjà souscrits à des taux d'intérêt historiquement bas et ne comportent aucun emprunt à risque selon la charte Gisler. Cela répond à une ambition de maintenir la qualité du service public, d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et de poursuivre un programme d'investissement qui passe par une maîtrise de nos dépenses, une bonne gestion de notre patrimoine communal, ainsi qu'une recherche systématique de subventions pour mener à bien nos projets en cours et à venir. Merci Monsieur le maire. Merci Monsieur Destombes. Marion Chamberon pour le rapport d'orientation budgétaire 2022. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, pour ce qui concerne la section de fonctionnement du budget 2022, tout comme en 2021, l'essentiel de nos recettes fiscales repose sur la taxe foncière dont s'acquittent les propriétaires depuis la refonte de la fiscalité locale. Malgré la réduction de l'autonomie fiscale des communes et la baisse des dotations de l'État, l'engagement pris par notre équipe municipale de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux reste une priorité, de même que d'encadrer les charges de personnel qui sont en baisse, ainsi que les charges à caractère général. En effet, dans le cadre du plan de relance post-pandémie, un recours mesuré à l'emprunt est envisagé pour honorer les investissements engagés et les nouveaux projets 2022, unissant nos priorités locales et les axes du plan de relance national et européen en matière de transition écologique et l'opération de revitalisation du territoire. Donc, le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées pour des prestations fournies à la population, telles que la restauration scolaire, les recettes de location de salles, les activités périscolaires organisées par la mairie, les impôts locaux, les dotations versées par l'État et différentes subventions. Les dépenses de fonctionnement sont constituées quant à elles de différents chapitres, parmi lesquels les charges de personnel, l'entretien et les consommations des bâtiments communaux, achat de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées donc aux associations et aux CCAS, ainsi que les intérêts des emprunts. Donc sur les subventions aux associations, nous continuons en effet d'accompagner les subventions du territoire via effectivement des subventions de fonctionnement, mais également des mises à disposition de personnel et des bourses emploi. Les charges de personnel représentent environ 50% des dépenses de fonctionnement de la ville.
Elles sont légèrement en baisse en 2022, malgré plusieurs réformes. À savoir... Regarde, je suis là, tu peux m'entendre. À savoir une mesure d'augmentation des premiers grades, l'augmentation du SMIC en octobre 2021 et un doublement des charges liées au versement transport pour accompagner la mobilité de nos agents. La baisse de la masse salariale s'explique en partie par le nombre important de départs en retraite sur 3 ans. En plus, un travail a été effectué pour anticiper les besoins via le GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et je rappelle que l'on a doublé le budget formation des agents, qui passe donc à 100 000 euros. Le passage aux 1 607 heures, qui lui émane d'une concertation des élus avec les agents et qui a été voté à l'unanimité au conseil municipal et en CHSCT, ramène à une baisse de personnel. Donc au budget prévisionnel 2022, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 35 148 900 euros. Les dépenses de fonctionnement sont quant à elles estimées à 31 795 700 euros. Ce qui témoigne donc d'une maîtrise du budget face à de nouvelles dépenses telles que le campus connecté labellisé pour Bergerac en 2021 ou bien la programmation pour l'été 2022 d'un festival de théâtre pour 100 000 euros. Ainsi qu'un accent particulier porté sur les manifestations estivales et de fin d'année. Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité qu'a la collectivité à financer elle-même ses projets d'investissement par le biais d'un virement à la section d'investissement. Donc la section d'investissement, celle-ci nous prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui indique des notions de récurrence et quotidienneté, la section d'investissement est liée directement au projet de la ville à court et moyen terme. Cette section regroupe toutes les dépenses qui vont faire varier durablement la valeur ou la consistance même du patrimoine de la commune, notamment via les acquisitions de biens immobiliers, de matériel, de mobilier, de véhicules, d'études, de travaux sur les structures existantes ou en cours de création. C'est également en investissement que l'on va inscrire le remboursement du capital des emprunts. En recettes d'investissement coexistent 2 types de recettes, à savoir les patrimoniales telles que celles perçues en lien avec les permis de construire que l'on dénomme taxes d'aménagement et les subventions d'investissement en lien avec nos projets retenus dans le PPI, relatives à la construction de bâtiments communaux par exemple ou à divers aménagements urbains. Sur 2022, pour faire suite aux travaux de mise en œuvre de la véloroute voie verte effectuée par la CAB et soutenir le projet de stade d'eau vive engagé par le département, nous avons décidé de lancer les études pour un projet sur les berges de la Dordogne, rive droite et rive gauche, afin d'embellir et entretenir ce magnifique patrimoine naturel. Un deuxième projet pour 2022, amorcé cette année, est le déménagement du campus connecté dans un des plateaux du Crédit Agricole Place du Marché Couvert, que l'on a acquis via notre droit de préemption urbain et sur lequel nous allons effectuer des travaux pour rendre le lieu plus agréable et ergonomique à l'installation durable d'un tel dispositif qui est une chance et une belle opportunité pour tous les jeunes de notre territoire. Donc le PPI pour 2022 fait apparaître différentes sortes d'opérations qui sont classées en 6 catégories. Les opérations structurantes pour un montant total de 5 070 000 euros telles que la redynamisation du centre-ville avec le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, la halle du marché couvert, la démolition et déconstruction de la maison Lédier pour y voir apparaître un espace vert aux abords de l'hôtel de ville en attendant son affectation en tant que future maison des assauts, la salle d'activité Cyrano, l'église Notre-Dame, donc je rappelle que sur 6 ans, c'est un programme de 4 488 000 euros sur notre PPI, mais également de projets comme la Maison des artistes ou bien encore le Centre de la photographie. On a également la mise en place d'un nouveau dispositif à l'aire de camping-car de Pombonne pour 55 000 euros. Sont également à l'étude des travaux de redynamisation du quartier de la gare avec l'achat des bâtiments de l'ancienne Périgourdine
et la transformation de notre ancienne piscine de Picayou en dojo de sport de combat. Ensuite, on trouve les participations pour un montant de 950 000 euros, telles que celles pour l'éclairage public via une convention avec le SDE 24, une de 190 000 euros sur 5 années pour la construction de la future caserne des pompiers, 180 000 euros sur 2 exercices à la CAB pour la piste d'athlétisme, des primes versées aux habitants effectuant des travaux de rénovation énergétique sur leur habitation dans le cadre de l'OPA RU pour 140 786 euros. Les autres opérations pour 1 680 300 euros, comprenant par exemple les travaux des bureaux du CCAS à hauteur de 200 000 euros via un chantier école afin d'améliorer d'une part les conditions d'accueil des usagers, mais également le confort des agents et surtout effectuer des travaux d'économie d'énergie sur des bâtiments communaux. Les travaux d'accessibilité qui ont pris une belle lancée au cours des années passées doivent être continués et représente 250 000 euros annuels minimum. On a cette même somme prévue pour les travaux des vestiaires au stade de football de la CAT. Dans le monde sportif, 110 000 euros sont envisagés en 2022 pour la mise en place de structures pour accueillir une équipe internationale lors de la Coupe du monde de rugby 2023 et 65 000 euros pour des travaux de surfaçage et d'arrosage automatique sur le terrain de football Sal Aragon, entre autres. Il a été inscrit 50 000 euros pour plusieurs opérations, comme des acquisitions foncières pour continuer la coulée verte, les travaux au gymnase du Tounet, du mobilier urbain, donc type poubelle ou colonne à mégots, la réparation du système de chauffage et climatisation de la salle sur le bâtiment du Bambino. Ensuite, on inscrit 30 000 euros en 2022 pour commencer les études sur l'aménagement d'un nouveau centre social en bas de la tour Jean Moulin. L'enveloppe d'investissement courant pour 1 229 500 euros qui comprend les frais de notaire pour les acquisitions à l'euro symbolique, l'acquisition de matériel pour les espaces paysagers, les illuminations de fin d'année, 100 000 euros pour le matériel informatique. On prévoit aussi l'achat d'une décapeuse pour le service propreté pour 190 000 euros. Qui viendra compléter l'achat de la balayeuse acquise cette année pour 185 000 euros. Donc ensuite, 20 000 euros pour l'équipement du jardin cinéraire, 60 000 euros là pour le matériel pour le service des sports, notamment du matériel de tonte et d'entretien des terrains de sport et espaces attenants, un cumul de 400 000 euros pour de grosses réparations sur les écoles, des travaux d'économie d'énergie et la réfection de toitures, sur notamment l'hôtel de ville. Le budget participatif représente 50 000 euros sur notre PPI pour des projets relevant des conseils de quartier et proposés par eux-mêmes suite à diverses rencontres et échanges. Je rappelle que ce dispositif était une promesse de campagne et que nous l'avons réalisé et mené à bien. On va y retrouver là des aménagements, notamment sur la promenade Pierre-Loti, la construction et l'installation de nichoirs à chauves-souris et oiseaux, la rénovation d'une pelle-vanne, des toilettes sèches pour les boulistes, le changement de revêtements de sol sur diverses aires de jeu et l'aménagement, encore une fois, de diverses aires de jeu. La dernière catégorie représente 550 000 euros et constitue une enveloppe des travaux d'investissement effectués en régie par le personnel de la collectivité et mobilise leurs compétences. On y retrouve la remise aux normes des bâtiments, les économies d'énergie et l'ergonomie des différentes cours de l'hôtel de ville pour 290 000 euros, la mise aux normes de clubhouse de la salle de handball Aragon, ainsi que les vestiaires de foot de ce même espace. Ensuite, on aura un local de stockage et une salle de musculation pour le football au barrage à hauteur de 100 000 euros. Le changement de l'éclairage hall Raoul Géraud, donc là on est au parapluie de Picayou, afin de réaliser des économies d'énergie pour 160 000 euros. Donc, comme vous pouvez le constater, et pour honorer notre promesse de transparence, nous avons souhaité rendre le PPI le plus complet possible en y ajoutant des colonnes pour 2021, à savoir le budget voté, l'ensemble des reports
et les décisions modificatives. Tous les projets et actions menées par notre équipe y sont également détaillés. Donc, le total des dépenses d'investissement inscrites au PPI, toutes catégories confondues, s'élève à 9 529 800 euros et seront financées de plusieurs manières, puisqu'en effet, les recettes d'investissement sont constituées de l'affectation de résultats, des cessions immobilières. Donc là, en cession, on va avoir le bâtiment du Crédit Agricole pour 140 000 euros, la classe relais Boulevard Beausoleil pour 40 000 euros, les bâtiments de l'ancien office de tourisme pour 500 000 euros, un terrain au Petit Roy, 150 000 euros, un terrain rue Gustave Eiffel pour 48 860 euros, une maison rue Alain Fournier pour 119 000 euros et le bâtiment rue du Guesclin, donc derrière le CCAS, pour 130 000 euros. Donc on va retrouver aussi des dotations, notamment la taxe d'urbanisme, du FCTVA, des subventions, des amendes de police. Donc là, je rappelle que celle-ci reste stable en termes de quantité, mais la valeur du point d'indice a été divisée par deux par l'État, d'où effectivement une baisse. Et la part de capital des charges transférées à la CAB, ainsi qu'un emprunt à hauteur là maximum de 4 600 000 euros, sachant que nous remboursons sur 2022 3 800 000 euros. Notre besoin de financement sera donc de 800 000 euros. Pour conclure, le vote du budget primitif est un acte politique fort, mais son suivi quotidien appelle à la plus grande vigilance. Soyez assurés de toute l'attention que nous portons à la moindre dépense et à la recherche sans relâche de nouvelles recettes. Et à ce titre, nous avons donné pour nouvelle mission à deux agents de rechercher en permanence des subventions et de remplir les dossiers y afférents pour nos projets. Merci. Merci Madame Chamberon, effectivement. Merci Monsieur Destombe pour cette présentation. On voit bien ce budget à haut niveau d'investissement pour 2022 pour notre territoire. Mes chers collègues, est-ce qu'il y a des questions? Allez, Madame Tégérizo, Monsieur Frel, Monsieur Ruet. Madame Tégérizo. Oui, donc on n'a pas tout à fait. J'ai bien lu le rapport. Vous l'avez un petit peu évidemment condensé, mais du coup, on n'a pas du tout la même vision du monde qui nous entoure. La crise que nous venons de traverser, qui apparemment est loin d'avoir fini de faire parler d'elle, aurait dû nous ouvrir les yeux à tous sur le besoin imminent de bâtir un territoire fraternel et solidaire. Or, on vient de le voir à l'instant, ne serait-ce qu'à travers la baisse drastique des subventions aux associations, on est loin de cet objectif. Contrairement à ce que vous développez dans ce rapport, la crise sanitaire additionnée aux difficultés économiques et sociales ne vont pas s'éclipser dès 2022. D'autant plus que les dégâts sociaux provoqués par la chute de l'activité économique sont graves. La France compte aujourd'hui plus de 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. De solidarité, l'État sait en faire preuve, notamment en direction des grandes entreprises, en déversant des milliards sans contrepartie aucune. Je ne suis d'ailleurs pas d'accord avec vous lorsque vous indiquez que les impôts pesaient sur l'attractivité du territoire et dissuadaient l'implantation des entreprises. Je reprendrai juste le récent rapport de France Stratégie, organisme rattaché à Matignon, qui note que la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax n'ont pas eu d'effet sur l'investissement, mais au contraire ont accru la concentration des dividendes chez les plus riches. Vous parlez de baisse d'impôts des ménages. Là encore, je n'ai pas les mêmes lectures ni ne croise les mêmes personnes que vous. Aujourd'hui, il y a augmentation du gaz, de l'électricité, de l'essence. Oui, ce sont des impôts. Et plus localement, au niveau de l'agglomération, auquel vous avez tous participé ici, l'augmentation de la hausse de la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, et il y a quelques jours encore sur l'assainissement. On peut clairement parler de hausse d'impôts locales. Enfin, vous parlez aussi d'efforts financiers majeurs en faveur du système de santé. Là encore, on vit pas dans le même monde, quoi. Cette année, c'est 6 000 lits qui ont fermé, des personnels soignants qui sont absolument rincés, fatigués, dégoûtés, qui tous les jours démissionnent. C'est juste une catastrophe. Donc, j'ai pas du tout la même lecture que vous. Et enfin, je finirai juste quand on se félicite de faire des économies sur le fonctionnement en se targuant de ne pas renouveler 11 contrats d'agents, l'année prochaine 5,
pour moi, c'est jamais une bonne nouvelle, et d'un, sur le bien-être au travail pour ceux qui restent, c'est une évidence, ni pour le service public. Et là encore, la crise nous a prouvé ô combien les collectivités locales et leur besoin, ce besoin prégnant de proximité était un maillon essentiel. Et je crains que, malgré tout ce que vous dites, il n'y ait pas une coquille dans le potage. Voilà, merci. Merci, Mme Tégérizo. Monsieur Frel. Oui, merci, monsieur le maire. La présentation de ce rapport d'orientation budgétaire est un formidable révélateur d'une certaine forme d'amateurisme en matière de construction budgétaire et sur votre manière de gouverner, mais elle reflète aussi un certain talent oratoire. Vous manifestez cette dernière capacité dans un certain nombre de tours de passe-passe formidables tout au long de ce rapport, mais je vais prendre juste un exemple. Page 19 de ce rapport, vous indiquez, je cite, que l'enveloppe de subventions aux associations est portée à 860 000 euros. Bel effort, semble-t-il, à la première lecture. Enfin, l'an dernier, lorsque nous débattions sur ce même rapport d'orientation budgétaire, vous nous indiquiez que cette enveloppe serait de 1 050 000 euros. On vient de le voir dans la délibération numéro 2 de ce conseil municipal, il n'aura été finalement que de 860 000 euros sur cette année. Vous auriez donc plutôt dû dire, écrire, que vous rabaissiez les prévisions de subvention de plus de 1 million à 860 000 euros, plutôt que chercher à enjoliver la réalité, ou dire, eh bien, nous resterons sur le même montant de ce qui a été dépensé cette année, 860 000 euros, puisqu'on a déjà fait l'effort de baisser de beaucoup les subventions. Vous nous indiquez un peu plus loin que nous devrions retrouver une épargne nette proche de l'équilibre, mais en vous félicitant que c'est grâce aux efforts de réduction de la dépense de personnel. Pourtant, ce sont bien les fonctionnaires municipaux qui œuvrent tous les jours au service des habitants de notre ville. Pour nous, on préfère parler de richesse humaine plutôt que de dépenses. Vous vous félicitez de cette baisse de personnel, et pourtant le service de transition écologique est constitué pour l'instant d'une personne, et encore récemment recrutée. Pourtant, il y a tant à faire dans notre commune, non pas de la gloriole, du panache, mais à travailler concrètement pour proposer de nouvelles solutions d'avenir à nos concitoyens en la matière. Le montant des dettes d'emprunt est en baisse, heureusement, pour atteindre cette année la somme de 30 millions d'euros, le stock de dettes, au début de cette année 2021. Mais plutôt que de chercher à redresser enfin une situation financière qui reste très préoccupante, vous êtes empressé d'accroître les emprunts et vous déclarez vouloir les porter à 34 millions d'euros dès 2023. Cette baisse que nous avions connue était surtout due au transfert des emprunts de la ville vers la CAB, parallèlement au transfert de compétences. Et donc, à surface financière et de compétences égales, cela revient en fait à augmenter encore plus qu'avant ces emprunts. Monsieur le maire, il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas d'argent facile. Ces emprunts, à quoi vont-ils donc servir? Quels sont réellement vos projets, monsieur le maire? La ville a acquis pour 500 000 euros l'immeuble de la Périgourdine. Pourquoi faire? À la lecture du PPI de la page 38, la réponse est claire. La ville a acheté ce bâtiment pour ne rien y faire. Aucune somme n'est prévue en 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Même question pour l'immeuble du Crédit Agricole. Premier étage acheté pour 160 000 euros, rien n'est inscrit dans le PPI. Où en sommes-nous aussi de ce vieux serpent de mer du nouveau centre de secours tant attendu par les pompiers? 190 000 euros étaient prévus en 2021, retirés ensuite, remis pour 2022. Allez, je crois que ça fait 10-15 ans qu'on amuse les Bergeracois, les pompiers avec cela. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? On peut ajouter à ces quelques exemples les retards pris cette année sur quasiment tous les projets. La salle du Taillis, moins 200 000 euros. Le centre-ville, moins 350 000. L'église, moins 500 000. Moins 75 000 sur la construction de la nouvelle cantine. On relève aussi des imprévoyances coûteuses, comme le doublement de la part de la ville pour la construction du stade d'athlétisme, dont l'aménagement est stoppé net. En résumé, moins de 2 ans après votre élection, les projets lancés nous semblent végétés. Vous vous êtes lancé dans une sorte de monopole bergeracois. Vous courez dans toutes les directions, mais à la lecture du PPI, on s'aperçoit en fait qu'on tourne un peu en rond. Un dernier mot sur le PPI encore. Tous les bergeracois s'accordent à dire qu'il devient urgent de reconstruire une nouvelle médiathèque. C'est une compétence de la CAB qui attend que vous décidiez, semble-t-il, sur un emplacement. Pour cela, la ville devrait racheter un bâtiment, le transférer ensuite à la CAB.
Où se trouve donc cette volonté dans le rapport d'orientation budgétaire, dans le PPI ? Parce que je ne vois rien en 2022 et je ne vois rien non plus jusqu'à la fin de ce mandat. C'est pourtant une médiathèque le premier lieu d'accès à la culture. Et j'espère que cela n'attendra pas une autre majorité. Et puis ce fameux stade de canoë-kayak sorti du chapeau l'an dernier, nous insistons pour dire l'impossibilité financière, géologique, écologique, réglementaire et de santé de ce projet qui était jusque-là demandé ou évoqué par personne. Revenons d'un mot sur les emprunts pour illustrer cet amateurisme et celui de votre majorité. Lors de la commission finances qui s'est tenue le mardi 9 novembre, nous avons été stupéfaits. En effet, vous avez précisé dès le commencement de la réunion que le document d'une quarantaine de pages que nous avions pris le temps d'étudier n'était plus valable et qu'il allait changer. Lors de cette discussion, nous sommes arrivés à la partie relative à l'emprunt, notamment sa prévision pluriannuelle. Et là, monsieur le maire, vous nous indiquez vouloir changer le montant prévu pour les prochaines années que vous aviez pourtant vous-même inscrit. Vous aviez prévu plus de 6 millions d'euros, un chiffre bien trop important pour notre ville. Vous nous demandez directement, à nous, élus d'opposition présents, de proposer un chiffre, de définir votre prévision budgétaire. Alors oui, monsieur Ruet m'a rejoint pour que nous vous convainquions de ramener votre prévision à un niveau plus raisonnable, qui ne mette pas plus en danger les finances de notre ville. Et vous avez retenu ce chiffre de 4,5 millions. Mais c'est le monde à l'envers, monsieur le maire. Si vous avez vraiment besoin de l'opposition pour préparer les documents budgétaires, vous devriez commencer à réfléchir à nous laisser les clés de la mairie. Monsieur le maire, prenez enfin le temps de la réflexion. Arrêtez de courir dans toutes les directions. Vous le savez, l'agitation n'est pas le dynamisme. Posez-vous pour réfléchir avec votre équipe à un projet sérieux pour Bergerac, un projet qui montre que vous avez enfin pris en compte les enjeux du dérèglement climatique qui commence pourtant déjà à nous impacter. Construisez, monsieur le maire, un budget qui démontre la volonté de notre ville à œuvrer pour davantage de justice sociale, alors que tant de Bergeracois subissent les coups de la politique libérale d'Emmanuel Macron et de En Marche Arrière. Monsieur le maire, le rapport d'orientation budgétaire n'est pas le budget, fort heureusement. Vous avez donc encore le temps de reprendre votre copie. Vous avez le temps encore de bâtir un budget réellement sincère. C'est ce que les Bergeracois attendent et c'est ce que nous attendons. Merci, monsieur Frel. Je répondrai à chacune, comme chaque fois, parce que vous savez que j'aime le débat. Et puis, je vous redonnerai même la parole, si vous voulez qu'on continue un petit peu. C'est toujours un moment important, le débat en conseil municipal. En tout cas, j'ai juste l'impression, monsieur Frel, à vous écouter, puisque l'an dernier, d'après vous, j'étais un magicien. Cette année, je fais un tour de passe-passe. Vous restez quand même toujours dans les mêmes images. C'est toujours assez agréable. Et puis, juste sur le lieu de la commission de finances, des finances, monsieur Frel. Qu'est-ce que vous me diriez si vous venez en commission, tout est fait, tout est écrit d'avance ? Vous me diriez, monsieur le maire, à quoi servent vos commissions ? Vous nous conviez et tout est déjà prêt, on doit juste signer en bas de la page. Eh bien non, ces commissions municipales, elles sont faites pour avoir votre avis. On vous emmène les éléments nécessaires en recettes, en dépenses. Et c'était un très bel échange et je tiens à remercier ceux qui étaient présents. Vous-même, monsieur Ruet qui a été présent, et on a pu échanger sur ce débat d'orientation budgétaire, et on a pu regarder quelles étaient les capacités financières d'emprunt, de remboursement d'emprunt dans les années qui viennent au niveau de la ville, et ce temps d'échange a permis, et on l'a vu ensemble, on l'a travaillé ensemble, et je tiens à vous en remercier, que la capacité de pouvoir investir cette année était aux alentours des 9,5 millions que j'ai mentionné tout à l'heure, avec 4,5 millions, 4,6 millions d'emprunt à réaliser. Donc oui, c'est une commission de travail. Maintenant, si j'amène tout fait, à quoi sert la commission, monsieur Frel ? Donc vous ne pouvez pas critiquer quand une commission n'avance pas ou ne dit pas ou dit justement tout ce qui est à mettre en œuvre et on le fait avec ce que l'on souhaite faire. Mais au contraire, ayons une commission de travail, d'échange. Monsieur Ruet, à vous la parole. Oui, merci Monsieur le maire. En complément des interventions de Madame Tégérisot et de Monsieur Frel, nous sommes effectivement dans un document d'orientation budgétaire et dans un débat d'orientation budgétaire. Donc je ne rentrerai pas dans le détail des choix budgétaires qui seront les vôtres dans un mois. Ce faisant, c'est vrai que nous sommes confrontés à un document d'orientation budgétaire qui a augmenté sensiblement en nombre de pages, c'est incontestable, mais qui reste toujours un exercice difficilement réaliste dès lors qu'il y a toujours cette déconnexion entre le compte administratif
de l'année écoulée et le budget primitif qui sera voté par anticipation, ce qui fait qu'on va avoir une certaine difficulté à avoir une vision et une critique à la fois réaliste et fondée sur du concret. Je m'explique. Il y a des orientations, il y a une liste de projets, mais il y a aussi et surtout, Madame Tégérizeau l'a esquissé, des marqueurs idéologiques clairs dans ce budget où, effectivement, vous insistez à la fois sur la baisse des subventions aux associations et la baisse du nombre des fonctionnaires, ce qui n'est pas un élément anodin, et j'y reviendrai plus en détail. Mais le paradoxe, c'est que si vous aviez voulu être le bon élève de l'orthodoxie libérale, sans doute auriez-vous été plus prudent sur la question de l'endettement. Et c'est évidemment un sujet, en ce qui nous concerne, d'inquiétude. Notre intervention suivra les axes suivants, c'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, cette question du choix de la dette. On reviendra rapidement sur la baisse des subventions aux associations, sur la question centrale de la masse salariale et du nombre des fonctionnaires, et puis on se questionnera sur les choix budgétaires qui pourront être réalisés, compte tenu de ce que j'aurais dit précédemment, et notre capacité, malgré tout, à maîtriser certaines dépenses de fonctionnement sur lesquelles vous êtes quand même encore un peu évasif. Nous nous sommes étonnés de ce choix, effectivement, de ce principal prérequis à 34 millions d'euros. 34 millions d'euros, d'où ça sort ? À quoi ça sert ? On a l'impression que c'est un cousin, un petit frère des fameux 3% du traité de Maastricht. Alors quelque chose qui n'a aucune valeur scientifique, aucune valeur économique, mais qui globalement correspondrait aux attentes du jour, mais qui doit être confronté à notre capacité de remboursement. C'est-à-dire que là où nous sommes inquiets, c'est la situation de la dette qui aujourd'hui n'a pas baissé sensiblement. Au 31 décembre 2019, au rapport d'orientation budgétaire, vous annonciez 31 320 000 euros. Au 31 décembre 2020, vous annonciez 29 495 000 euros. Au 31 décembre 2021, vous annoncez à nouveau 31 millions d'euros, un peu plus de 31 millions d'euros. On est là sur un niveau d'endettement qui nous pousse à réfléchir parce que, évidemment, maintenir un tel niveau d'endettement très élevé, c'est réduire notre capacité future à investir pour des opérations structurantes parce qu'on est toujours lié par la même enveloppe annuelle de réendettement et qui nous rend aussi vulnérables à un moment donné si nous avons un retournement des marchés financiers. Oui, nous empruntons aujourd'hui à des conditions qui sont extrêmement favorables. Mais le quoi qu'il en coûte, un jour ou l'autre, il va devoir se payer. Et je ne suis pas certain que les marchés financiers nous prêteront éternellement à des taux d'intérêt aussi avantageux. Et puis, il y a effectivement cette capacité de désendettement, où la méthode Chambre régionale des comptes, par rapport au compte administratif, nous dit, ben effectivement, alors il y a le seuil des 12 ans, on est à 10 ans et demi, on serait à 10 ans et demi, on était à 11 ans l'année dernière, on était à 9 ans en 2019. Donc la situation n'est quand même pas la plus florissante qui soit. Il y a la question de la baisse des subventions. Ça a été dit par mes collègues, j'ai pas besoin d'y revenir, mais force est de constater qu'effectivement, le Covid a eu bon dos et que la baisse que vous avez actée en 2020, elle est devenue ligne budgétaire normale pour les associations en 2021, avec au passage la suppression du soutien à la DIC à Bergerac 95, montée en exergue. Malgré tout, cela reste une atteinte, et nous l'avions dit à l'époque, au service public de l'information sans que des solutions alternatives soient portées, y compris au niveau de l'agglomération. La question de la baisse des fonctionnaires maintenant. La question de la baisse des fonctionnaires, elle est au cœur de vos orientations budgétaires et vous y revenez régulièrement dans vos interventions. La première question qu'on peut se poser, c'est sur la fiabilité des chiffres qui sont avancés. Non mais je vais vous expliquer. Attendez, tout va bien, vous allez encore me couper le micro.
Je vais vous montrer tout à l'heure, vous verrez qu'effectivement, il y a un décalage, et vous m'expliquerez pourquoi. Ça sert aussi à ça, le débat, puisque vous l'aimez tant. Donc, les chiffres, la tentation de porter atteinte malgré tout, nous allons voir pourquoi, à la fonction publique territoriale, et puis le faible niveau d'encadrement dans les services qui a de quoi inquiéter. La fiabilité des chiffres, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, d'abord, si vous regardez notre document d'orientation budgétaire, je vais prendre l'exemple de l'an 2019, au 31 décembre 2019. Vous reprenez nos orientations budgétaires de l'année dernière, à la page 19 de l'époque, j'ai 469 fonctionnaires. Un an après, c'est-à-dire dans ce document d'orientation budgétaire, je n'ai plus que 451 fonctionnaires. J'ai donc, entre deux documents d'orientation budgétaire, sur le même exercice budgétaire l'année 2019, un écart de 18 fonctionnaires. Donc, effectivement, je me pose légitimement la question de pourquoi les chiffres de 2019 étaient ceux-là en 2020 et que, deux ans après, ils changent. Parce qu'effectivement, le tendanciel n'est absolument plus le même. Donc, voilà pourquoi je me questionne sur la fiabilité des chiffres. Le deuxième élément par rapport à ça, et alors là, celui-là est beaucoup plus politique, c'est qu'effectivement, on constate que on a eu tout de même la fin du rattachement des contractuels de l'abattoir, il y a 22 agents qui ne sont plus comptabilisés, mais que la baisse des fonctionnaires, qui est réelle, se fait aussi en parallèle avec une certaine hausse des contractuels. C'est aussi ça, une certaine politique par rapport à la fonction publique et au service public. Et là, c'est tout le statut de la fonction publique territoriale qui est menacé. Parce qu'effectivement, on le sait idéologiquement, il subit des attaques régulières, ses fonctionnaires, ses avantages, et on va vers de la contractualisation. Et je suis désolé, mais ces agents qu'on recrute avec des contrats, c'est de la précarité, ce n'est pas la garantie d'une qualité de service public. De la même manière, et ça c'est un des points malheureusement récurrents de cette ville, c'est le faible niveau d'encadrement, et singulièrement des catégories A, au sein de la fonction publique de cette mairie. Et là, les chiffres sont ridiculement faibles. En 2019, il y avait 5% de catégorie A. En 2020, 4,7%. En 2021, 3,9% de catégorie A. Alors, naturellement, on a une armée de fonctionnaires de catégorie C, de salariés moins bien payés que les autres, sur lesquels on fait reporter l'effort, y compris sur la réforme des 1607 heures. Mais la pression, elle est encore plus forte, encore plus accablante sur vos cadres municipaux, qui sont soumis, évidemment, à des conditions de travail d'autant plus difficiles, qui sont peu nombreux, et que le travail d'un catégorie A n'est pas forcément celui d'un catégorie B ou d'un catégorie C. Et donc, vous exercez, par la même manière, une pression importante sur ces agents. Et ce n'est pas le signe d'un bon état de santé d'une collectivité. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'effectivement, à la promotion interne, bien vous mettez des agents en situation de catégorie C ou de catégorie B, dans le meilleur des cas, en position de chef de service, tout en ayant des attentes par rapport à des missions qu'ils devraient remplir par rapport à des catégories A. Et on peut s'inquiéter aussi, par rapport à ce taux d'encadrement qui est plutôt faible, de la manière dont on va être en capacité de pouvoir exécuter budgétairement ces emprunts nouveaux que vous voulez réaliser, ces investissements nouveaux que vous voulez réaliser, puisque à quoi ça sert d'emprunter toujours plus si en plus de ça, année après année, eh bien, l'année d'investissement, on a 90% des investissements qui sont ceux de l'année précédente et 50% de l'année actuelle. C'est pour ça que lorsque nous avons eu ce débat en commission finances sur le niveau d'emprunt supplémentaire, il y a l'exigence de prudence qui est de dire « attention, n'alourdissons pas l'endettement global de notre commune ». Et il y a aussi le réalisme qui est de se dire « 6 millions, ça correspondra à rien parce qu'on ne sera pas capable de réaliser ces investissements ». Et au niveau de l'investissement, puisque quand on parle du réalisme que l'on va avoir par rapport à ces orientations, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Lionel Fay, je veux juste apporter des compléments par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on assiste à des opérations de glissement d'investissement d'un exercice à un autre, ce qui fait que, ce que je vous avais dit lors du précédent débat budgétaire, l'effet d'entonnoir va se produire sur la fin du mandat. Ce n'est pas la peine d'envisager des opérations sur les rives de la Dordogne, etc. On ne va financièrement pas être capable de les faire pour la simple et bonne raison que tout le reste ne sera pas réalisé. Le chantier de la halle du marché couvert, on le sait, il a pris du retard. 2022 et 2023.
le chantier de Notre-Dame, il durera au moins jusqu'à la fin du mandat et probablement, parce que c'est un chantier difficile, tout ne sera pas terminé. Le SIAP a glissé jusqu'en 2023 parce qu'effectivement, il y a eu cette idée lumineuse de déménager le presbytère et les classes de catéchisme. La cuisine centrale qui a pris du retard. La participation du centre événementiel que vous reculez à compter de 2023 jusqu'à la fin du mandat. Et des opérations structurantes comme l'environnement, mais qui sont quand même raisonnablement réduites à 20 000 euros pour de la plantation, 10 000 euros en végétalisation, quand bien même en commission, vos propres services disent « Oui, mais attention, ne chargez pas trop la barque sur les plantations parce que les périodes sur lesquelles on peut les réaliser sont très courtes et nous avons aussi beaucoup de missions à remplir. » Et là, on revient au problème des conditions de travail des fonctionnaires. Et puis enfin, pour terminer, ben, y a aussi des dépenses de fonctionnement sur lesquelles vous allez devoir, et nous allons devoir, parce que par rapport à ça, nous avons aussi un devoir, être vigilants. C'est les dépenses de fonctionnement qui seront inhérentes au campus connecté. Oui, aujourd'hui, on sait quelle est notre dépense par rapport à cela, mais demain, une fois que l'investissement sera réalisé au niveau au-dessus du Crédit Agricole, place du marché couvert, eh bien là, par contre, on est réellement dans le flou sur la charge de fonctionnement que cela représentera. Et ce sur quoi je terminerai, le service des encombrants, où nous avons eu un moment d'échange en commission finance et que nous partageons maintenant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'évaluation reste très partielle parce qu'il ne prend pas en considération tout le paiement, notamment en déchetterie, de ce qui va être livré. On propose un service gratuit à hauteur de 2 mètres cubes par habitant. On sait ô combien le débat sur les déchets va être explosif dans les semaines et les mois qui viennent. La multiplication des dépôts sauvages auxquels on assiste d'ores et déjà, ce service des encombrants, il est clair, il va avoir un coût de fonctionnement que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui, avec ce document d'orientation budgétaire, de maîtriser. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je voulais vous livrer ces éléments complémentaires. Non, monsieur Ruet, vous excusez pas, hein, c'est toujours agréable de vous retrouver dans le débat. Comme on l'a au niveau du rapport d'orientation budgétaire, et j'espère vous retrouver dans le débat dans d'autres sujets, comme vous savez le faire, et j'en suis très heureux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Au niveau de l'opposition, non ? Alors, je vais répondre. Hein. D'abord, monsieur Ruet, j'espère qu'on a le même document, puisque quand je regarde les contractuels, quand ils sont contractuels droit public, ils sont passés de 19, alors ils étaient à 17 au 31 décembre 2019, ils sont passés à 19 au 31 décembre 2021, et ils sont à 17 au 31 décembre 2022. Donc on est une continuité quand même du nombre de contrats publics. En ce qui concerne les contractuels privés, j'ai toujours mis le personnel de l'abattoir et différemment dans les interventions, parce que celui-ci, il suit l'abattoir. Donc qu'il soit Ville de Bergerac ou maintenant SEM, il ne fait pas partie des éléments en moins, c'était un budget annexe de la Ville de Bergerac. En ce qui concerne les autres contractuels, vous me dites qu'il y a une augmentation. Excusez-moi, mais au 31 décembre 2020, ils étaient 60. Au 31 décembre 2021, ils vont être 56. J'ai même 4 contractuels en moins qui sont bien mentionnés ici. Donc non, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de précarisation. Et au contraire, nous accompagnons l'ensemble des personnes qui sont sous contrat à pouvoir rester dans la fonction publique. Ensuite, sur le personnel. Oui. Une grande dépense de la collectivité, une grande charge de la collectivité, sont les charges de personnel. Alors c'est normal, parce que nous sommes un service public, et si nous souhaitons que ce service public puisse être exercé dans les meilleures conditions possibles, on doit avoir du personnel. Simplement, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est surtout la qualité du personnel. Et donc cette qualité, on l'a travaillée ensemble, avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On analyse l'ensemble des départs en retraite qu'il y aura dans les années à venir et on regarde comment, en interne, soit une personne peut prendre ce poste et on la forme, on l'aide, on l'accompagne. On fait du tuilage entre la personne qui prend le poste et celle qui s'en va. On regarde également comment on peut mutualiser les services, comment ils peuvent travailler ensemble sur le quotidien. Ensuite, on continue à améliorer les conditions de travail. Et vous avez pu le voir, le sentir un petit peu, l'odeur de peinture qu'il y a encore ici dans la mairie, puisque petit à petit, on rénove l'ensemble des bureaux sur l'hôtel de ville, au centre technique municipal. Nous faisons des travaux à économie d'énergie. Nous allons changer l'ensemble des fenêtres de l'hôtel de ville, parce que nous pensons que c'est en améliorant les conditions de travail que les employés se sentent mieux au sein de la collectivité.
Enfin, il y a l'offre de formation. On a doublé l'enveloppe de formation pour l'ensemble des agents municipaux. Et donc aujourd'hui, ils peuvent prétendre à des formations au sein du CNFPT, au sein d'autres organismes. En tout cas, on les accompagne sur l'offre de formation. Et puis oui, et on peut l'appeler comme ça, une opportunité, mais une opportunité législative obligatoire pour toutes les collectivités au 1er janvier 2022, avec le passage aux 1607 heures. Et dans le document, vous le voyez, aujourd'hui, le temps de travail est à 1538. Il devrait être à 1607 heures par semaine, par an. Et donc, du coup, il est évident que ce passage aux 1107 heures va inciter les agents et seront beaucoup plus présents sur le lieu de travail. Et donc, oui, on analyse service par service comment on peut réduire les postes. Donc oui, des départs en retraite, c'est une opportunité. Oui, le passage aux 1607 heures, c'est une opportunité. Mais avant tout, l'accompagnement du personnel sur la formation, sur les conditions de travail et sur le matériel qu'on met à leur disposition. Alors non, parlez pas de mal-être au travail. Au contraire, il y a une vraie volonté, et je le sens bien au niveau des services, de continuer à servir l'ensemble des citoyens bergeracois, et je tiens à les en remercier. Et puis, sur le personnel, Monsieur Ruet, je vais être très clair avec vous, qu'il soit de catégorie A, B ou C, ce qui compte pour moi, c'est la volonté, c'est l'expérience. Oui, c'est du management privé dans la fonction publique, mais quand on a l'envie, quand on a l'expérience, eh bien on doit faire confiance, on doit tester. Et quand on voit même des personnes qui ont des problèmes de santé, qui n'ont jamais fait d'administratif, qui ont toujours été des techniques, et que l'on met dans un bureau, qu'on accompagne sur de la formation administrative, et qu'aujourd'hui se sentent bien en venant au travail. Ils n'ont plus cette boule au ventre qu'ils ont pu avoir précédemment. Eh bien ça fait plaisir à voir au quotidien, et c'est sur ça qu'on va continuer à tendre sur la ville de Bergerac. Enfin, vous parlez de baisse de subventions. C'est faux. Les subventions 2020, vous avez le tableau sur la délibération précédente, elles sont à 860 000 euros. On va remettre 860 000 euros en 2022. On a donc le même montant des subventions qui vont être mises. Sachant qu'en plus, chers collègues, nous allons baisser, parce que nous l'avions dit, nous allons baisser la subvention à Bergerac 95 et nous l'assumons. Parce que ce n'est pas une collectivité territoriale de payer la radio. Comment on a une ligne éditorialiste claire, indépendante, si c'est les élus qui financent ? Eh bien ça, je ne peux pas l'accepter. Donc oui, nous tendons à aller vers zéro sur Bergerac 95. On l'a travaillé avec l'ensemble du conseil d'administration pour le faire sur plusieurs années. Mais ces subventions qui ne seront pas données à Bergerac 95, elles seront données à d'autres. Parce qu'on va continuer à avoir cette enveloppe de 860 000 euros de subventions sur la ville de Bergerac. Donc non, les subventions ne baisseront pas. Les subventions 2022 seront les mêmes que les subventions 2021. Enfin, sur la transition écologique. Alors, Monsieur Frel nous dit, il n'y a qu'une seule personne. On va quand même pas s'excuser de l'avoir créé. Il n'y en avait pas de service. On a créé un service, et bien on commence à le créer avec une personne. Et puis on en a en fait deux, vous en parlez que d'une, mais il y en a deux. Le directeur général des services, sous lequel est rattachée la transition écologique. Ils sont deux à travailler sur ces questions. Et deux performants qui sont... en binôme constant sur l'ensemble des projets menés par la ville et par l'ensemble des structures qui nous accompagnent. Donc oui, il y a un vrai service. Et vous avez raison, on a peut-être fait une erreur, Monsieur Frel. On aurait dû le mettre dans le rapport d'orientation budgétaire. En plus du campus connecté sur une année pleine en 2022, en plus du ramassage des encombrants en 2022, on aura également le service de la transition écologique sur l'année 2022. Enfin, vous nous parlez du programme pluriannuel d'investissement. Alors oui, pour l'instant, il n'y a rien marqué sur la Périgordine, si ce n'est les 50 000 euros ou 100 000 euros de frais d'études. Parce que l'étude urbaine du quartier de la gare est en cours de réalisation. Elle sera certainement rendue en décembre ou en janvier. Il y a un travail encore qui est mené. Et ensuite, nous allons travailler ensemble sur son devenir. Alors oui, nous souhaitons qu'il y ait toute l'offre de formation sur notre territoire. Nous souhaitons qu'il y ait du logement sur ce territoire. Nous souhaitons qu'il y ait également d'autres activités économiques, culturelles, sportives qui puissent s'y installer. Et on a déjà des porteurs de projets qui souhaitent y venir. Et donc, on est en train de travailler avec un bailleur. On est en train de travailler avec le CFA de la ville de Bergerac pour essayer de les inciter à rentrer le plus tôt possible dans ce bâtiment. Mais nous n'inscrirons des dépenses supplémentaires d'investissement sur ce bâtiment que quand nous aurons des recettes en face sur ce bâtiment. Que ce soit des recettes d'une partie de la vente de ce bâtiment, que ce soit des recettes de subventions que nous aurons été chercher sur un maximum de partenaires financiers qui nous accompagnent sur de tels projets. Et enfin, Monsieur Frel,
Vous nous parlez du bâtiment Crédit Agricole que vous ne voyez pas apparaître dans le programme pluriannuel d'investissement. Je vais juste vous rappeler un petit peu les choses, mais je suis peut-être encore un petit peu trop tôt dans le débat de ce soir, mais un petit peu plus loin, vous avez une délibération qui revend le premier étage, sachant que le troisième appartient déjà à Urbalis Habitat. Urbalis Habitat aura donc le premier et le troisième. Ce qui fait que la ville est propriétaire que du deuxième étage. Le deuxième étage, c'est ce que vous avez dans le programme pluriannuel d'investissement, avec 500 000 euros en 2022 et quelques milliers d'euros en 2023. Vous l'avez bien. Alors oui, vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout lire, ou vous n'avez pas pu tout regarder. En tout cas, en commission des finances, j'avais essayé d'être le plus exhaustif possible pour vous ayez un maximum d'informations. Et puis vous parlez de la construction de la caserne du SDIS. Je vais quand même pas m'excuser d'être le premier maire à avoir été au conseil d'administration du SDIS et avoir voté la caserne des pompiers lors de mon premier passage en conseil d'administration. Oui, la caserne des pompiers, elle est votée. Elle est votée par le SDIS, elle est votée par l'ensemble des communes de premier appel dans les subventions. Par contre, le SDIS nous a demandé de décaler, d'échelonner le paiement et de le décaler d'une année, puisqu'ils ont lancé un concours d'architectes. L'ensemble des architectes avait jusqu'au 15 pour répondre. Et maintenant, on va faire la commission d'appel d'offres pour choisir quel est l'architecte qui va travailler sur le projet. Et le début de construction se fera dès l'année prochaine. Donc oui, enfin, on va avoir des Saintes-Barbes qui vont se succéder les années qui viennent, avec des pompiers souriants et qui auront plaisir à aller travailler sur une caserne toute neuve. Enfin, vous avez évoqué, Monsieur Frey, le Monopoly Bergeracois. Je vois que du coup, ça y est, vous avez un deuxième joueur, Monsieur Ruet. Vous allez pouvoir vous acheter un jeu, en tout cas, on pourrait peut-être vous l'offrir. Ou alors, on peut peut-être travailler dans le cadre du marketing territorial, puisque ça se fait beaucoup, les monopolies de toutes les villes. Faisons ensemble le monopoly de Bergerac. Et on verra ensemble quelles sont les villes, qui sont les rues qui sont les mieux cotées, de celles qui le sont moins. Attention, vous pourriez froisser quelques susceptibilités des habitants ou des professionnels dans ces rues. Enfin, sur la médiathèque. Bien sûr que nous travaillons sur un lieu pour la médiathèque. Et donc, nous avons travaillé avec Frédéric Delmarès. Et donc, on s'est mis d'accord sur un lieu. On a sollicité le préfet pour savoir s'il nous suivrait sur la procédure d'expropriation, parce que dire à tout le monde « on va exproprier » si d'abord l'avis du préfet est négatif, on ne va pas aller bien loin. Donc aujourd'hui, on a un avis positif oral du préfet. Le préfet va partir, donc on va rencontrer bientôt son successeur. Et dès lundi, il sera présent, donc j'irai à Périgueux le rencontrer. Ce sera l'occasion aussi de faire le point sur quelques dossiers et de faire avancer le territoire bergeracois, d'avoir des subventions supplémentaires comme on a pu avoir, ou des fonds de concours supplémentaires comme on a pu avoir dans les années passées et qu'on n'a pas eu ces derniers mois. En tout cas, il est certain que sur cette médiathèque, nous avançons, pas aussi vite qu'on le voudrait, c'est vrai, parce qu'il y a des aléas, la propriété, la jouissance autrui sur un bien immobilier, donc forcément, ça se travaille sur du long terme. Et donc, pour finir sur votre propos, monsieur Frel, vraiment vous dire que cette commission des finances, c'est un vrai lieu de travail. Je ne veux pas que ce soit une chambre d'enregistrement. Je veux que l'opposition fasse des propositions, que vous soyez force de proposition à nos côtés. Et vous l'avez été, je le dis ici devant l'ensemble de nos collègues qui n'étaient pas présents, quand on a travaillé ensemble sur l'endettement de la ville de Bergerac, sa capacité à investir. Oui, on l'a travaillé ensemble. Et quand on regarde aujourd'hui le tableau de l'ensemble des emprunts, on se rend compte quand même qu'on a encore bien désendetté la ville. D'abord, je vous rappelle que j'ai réussi à négocier avec le Crédit Agricole de pouvoir scinder les prêts qui avaient été faits et pour la partie assainissement, pouvoir les renvoyer vers l'agglomération. Et oui, c'est vrai, avec la fermeture du budget annexe et la création de la SEM de l'abattoir, on a récupéré dans le budget principal l'emprunt dédié à l'abattoir. Donc oui, c'est vrai, ça a augmenté d'autant au niveau du capital restant dû. Et puis le décalage également de l'emprunt qui devait être réalisé. Donc on arriverait, mes chers collègues, et on était au 1er janvier 2020, je rappelle, à 33 700 000 euros d'emprunt. Quand, au 31 décembre 2021, cette année, on va arriver à 31 100 000. On passe de 33,7 à 31 100. Donc oui, on a continué à désendetter la ville de Bergerac. Et ça, il faut quand même le rappeler, parce que je ne peux pas vous laisser tenir de tels propos en disant que la ville s'est endettée, alors que ce n'est pas vrai, ce sont les chiffres qui sont sous les yeux, qui sont sous vos yeux. Et je fais totalement confiance à mes services, à mes élus, et aussi à moi-même, puisqu'on l'a rédigé ensemble, sur ce rapport d'orientation budgétaire. Enfin, Monsieur Ruet, j'ai l'impression par moment que vous oubliez un petit peu le Covid dans vos propos et de
ce passage Covid qui a amené quelques difficultés. Votre introduction a été, je reprends les mots, vous avez des difficultés à critiquer. Non, pas vous, Monsieur Rué. Allons, vous ne pouvez pas avoir des difficultés à critiquer. Ce ne serait pas Fabien Rué, sinon. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous sur la baisse des subventions. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce n'est pas une baisse. C'est la même subvention qui a été donnée en 2021 qui va être donnée sur l'année 2022, en tout cas, qui sera votée ensemble. Des opérations structurantes. Quand on parle d'emprunt, il est évident que si on emprunte, c'est pas pour du fonctionnement, d'ailleurs, c'est interdit, mais c'est bien pour de l'investissement. Et c'est bien pour des projets structurants que l'on a sur le territoire. Quand on va faire les vestiaires de l'US Lacat, attendus depuis de 20 ans, ben ça, c'est un projet structurant pour l'ensemble du quartier. Quand on va faire le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, ça, c'est un projet structurant pour le cœur de ville et la culture. Quand on va faire... la halle du marché couvert, c'est un projet structurant pour l'activité économique et le commerce de centre-ville. Quand on va rénover et démolir la barre commerciale de Nayak ou une partie, ça, c'est une opération urbaine importante pour le quartier. Oui, ce sont des opérations structurantes. Quant à nos participations, nous les assumons. Oui, nous assumons avoir doublé la participation financière pour le stade d'athlétisme. Sinon, il ne se faisait pas. On n'allait pas attendre 20 ans supplémentaires. Donc oui, nous avons pris la décision de doubler cette participation. Donc sur les participations, oui, le SDIS, on continue à financer, on continuera et on finira de financer la caserne des pompiers, parce qu'elle est importante, cette caserne des pompiers. Et puis je vous rappelle, mes chers collègues, que cette caserne, une fois qu'elle va être déménagée, la ville de Bergerac va récupérer les bâtiments de la place du Foirail. Et ça fait le lien avec ce que je voulais dire sur la capacité à investir de la ville à travers les ventes immobilières. Alors vous, vous parlez de monopoly, j'appelle ça une gestion en bon père de famille. C'est-à-dire une gestion patrimoniale raisonnée, réfléchie. Comment on achète des grands plateaux, comme on a pu le faire sur l'immeuble Louis de la Bardonie, 800 mètres carrés de plateaux, qu'on peut aménager aux normes et aux qualités environnementales existantes, et qu'on puisse vendre du petit patrimoine qui coûte cher en fonctionnement, où les associations sont mal logées. Je vous invite à aller visiter la maison où, en bas de Canal Pourpre, il y a l'association de M. Sartori, Arcalia, exactement. Allez voir l'association à côté des cibistes. Ce sont des conditions lamentables, lamentables. Eh bien, je ne peux pas accepter que les associations soient logées dans de telles conditions. Donc oui, on achète des grands plateaux. Oui, on fait une grande maison des associations. Oui, on fait une annexe de la maison des associations pour mieux loger nos associations et pour qu'elles soient dans de bonnes conditions. Et on vend ce petit patrimoine. Ce petit patrimoine qui aujourd'hui coûte cher en fonctionnement. Et les associations sont mal installées. Donc oui, on va continuer. On verra ce qu'on fera à la caserne des pompiers. Et dans ce rapport d'orientation budgétaire, vous avez la liste détaillée du patrimoine que l'on va vendre en 2022, avec les estimations qui ont été réalisées. Donc chaque année, on nous dit « Oui, vous mettez 1 million d'euros dans le budget de vente de patrimoine immobilier, où vous allez chercher tout ça ?» Cette année, on vous a donné le détail. Comme dans le programme pluriannuel d'investissement, pour la première fois, vous avez le détail de l'année en cours, comme l'a dit Marion Chamberon, le budget primitif qui est voté, les reports qui sont arrivés, l'ensemble des décisions modificatives 1 et 2, le total du budget. On vous donne toutes les informations nécessaires pour ce budget. Ensuite, sur l'encadrement, Monsieur Rué, je vais être clair, j'avais aucun copain à placer. Aucun copain à placer. Je n'ai fait des promesses à personne pendant la campagne électorale, pour être embauché à la ville de Bergerac. Donc aujourd'hui, je suis libre, complètement libre, d'organiser l'organigramme de la mairie de Bergerac en fonction des compétences que j'ai trouvées en interne. Parce qu'on a de belles compétences en interne. On a des gens qui sont attachés au service public, qui ne comptent pas leurs heures, qui sont fiers de représenter la ville de Bergerac quand ils vont dans des réunions. Et bien cela, oui, je veux qu'on continue à les faire progresser. Alors par de la formation, et puis quand ils remplacent un autre collègue, quand on fusionne des services, eh bien oui, il ne faut pas avoir peur non plus de pouvoir augmenter leur salaire. Parce qu'en face du travail supplémentaire, il doit y avoir un salaire supplémentaire. Et donc petit à petit, c'est vrai, on réorganise la mairie. On a réorganisé l'organigramme. On réorganise les bureaux pour gagner en efficacité de travail entre des services qui doivent travailler ensemble. Et petit à petit, on renouvelle. Par contre, tous les postes sur le terrain sont renouvelés. Les postes au centre technique municipal, les postes sur le terrain, les postes dans les centres sociaux, malgré le départ volontaire de ma part ou de leur part pour certains, des centres sociaux au niveau de la direction, ils ont été renouvelés.
parce qu'il y a des postes stratégiques qui doivent être renouvelés, présents et en nombre. Et donc, on va continuer ce travail de gestion de prévisionnel des emplois et des compétences, et on va continuer à permettre à cette mairie d'être organisée, non pas comme une armée mexicaine, comme ça a pu être le cas il y a quelques années, pour ne pas dire des décennies, mais en tout cas, non, une vraie organisation la plus efficace possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et enfin, vous évoquez le campus connecté sur les financements. Vous dire que j'étais avec Germinal Perrault encore hier, avec lequel on a évoqué le campus connecté. Et il est évident que le département qui porte le campus connecté de Périgueux va financer le fonctionnement du campus connecté de Bergerac. J'étais avec Alain Rousset en session au Conseil régional où j'ai posé la question directement au vice-président en charge de l'éducation. Et il m'a fait part du souhait de la région et d'Alain Rousset de faire une réunion avec tous ceux qui ont répondu et qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet Campus Connecté pour que la région donne le même montant, le même accompagnement financier à tous les campus connectés de Nouvelle-Aquitaine. Donc oui, nous allons avoir des aides et des accompagnements. Et je sais que l'État, et je tiens à saluer ici le sous-préfet de Bergerac qui fait un remarquable travail et qui nous accompagne sur de nombreux projets et qui souhaite, avec l'ensemble de ses services, accompagner la réalisation du campus connecté à Bergerac. Ce sont donc tous les acteurs qui sont à nos côtés, ici sur le territoire, pour le faire progresser, avec de nombreux projets structurants qu'on veut mettre en place, pour avoir, je le disais en introduction, un budget à haut niveau d'investissement. Ça, c'est important pour nous, mais bien sûr, on doit maîtriser le budget de fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, mes chers collègues ? Monsieur Frel, c'est toujours un plaisir d'échanger. Je vous redonne la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, pardon. Pour la présidentielle, je crois que vous n'avez pas déposé à temps votre candidature. Monsieur Frel, vous inquiétez pas. Quand on est maire, on est aussi président de plein de choses. Donc, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas trompé, finalement. Voilà. Bien. Donc, merci, Monsieur le maire et président de plein de choses et conseiller régional. On n'a vraiment pas du tout la même lecture sur les associations et le montant des subventions. Passer d'1,050 million de ce qui était le cas avant, ce qui était prévu, à 860 000 et rester à 860 000, oui, on reste à 860 000, mais on a baissé de... Mais on a quand même baissé de 250 000 €, et cet argent qui est pris en partie sur les subventions de Bergerac 95 n'a pas été redonné aux autres associations, puisqu'on l'a baissé. Et vous vous êtes contredit dans la même phrase. Sur le... Je ne sais pas si je n'ai pas été assez attentif, mais sur une précision que vous a demandé M. Ruet, les 34 millions d'euros. Pourquoi ce sacro-saint chiffre à 34 ? Peut-être parce qu'il avait été défini par votre prédécesseur, Daniel Garrig, de se dire qu'il faut qu'on se cale à 34 millions d'euros. Mais c'était un 34 millions d'euros avec une surface de compétences qui étaient bien plus importantes, puisqu'on avait la flotte, l'eau, l'assainissement, et qu'on avait l'abattoir. Donc ce 34 millions d'euros du début du dernier mandat de M. Garrig n'est pas du tout le même qu'à surface comparable. C'est une augmentation par rapport à ce que visait M. Garrig. Juste pour l'anecdote, la gestion bon père de famille, c'est quelque chose qui n'existe plus en langage administratif. C'est d'ailleurs un amendement de la députée Brigitte Allain, puisqu'on parle maintenant de gestion responsable. Et plutôt qu'une gestion raisonnée, responsable, comme vous avez dit, moi j'ai plutôt l'impression que vous avez une gestion dynamique du patrimoine immobilier. Et puis enfin, monsieur le conseiller régional, puisque vous avez... Vous êtes venu sur ce terrain-là, et notamment vous défendez des avancées pour le territoire bergeracois. Il y a un dossier sur lequel on vous a peu entendu, et qui a aussi des compétences budgétaires, des répercussions budgétaires. Il y a quelques années, à la demande de la région, la communauté d'agglomération bergeracoise, et donc un petit peu nous, quelque part, avons financé une partie de la rénovation de la ligne Bergerac-Libourne-Bordeaux. Et puis on a appris... Il y a quelques temps, quelques semaines, ça a été rappelé récemment par un média, que les horaires changeaient complètement. Les horaires de correspondance entre les trains Bergerac, Bordeaux, puis Paris changeaient. Et qu'on allait prendre
30 à 45 minutes de temps supplémentaire au niveau du changement. Ce qui nous ramène exactement au même temps de transport qu'avant la rénovation ou avant la LGV. Alors, excusez-moi, en matière d'avancée, là, on fait du surplace. Et pourquoi on fait cela ? Pour que les Périgourdins, les habitants de Périgueux plutôt, puissent aller plus rapidement à Paris. J'ai pas vraiment l'impression, dans ce cas-là, que les élus régionaux du Bergeracois aient défendu les intérêts des Bergeracois. Merci, Monsieur Frêle. Alors, quand j'emploie la phrase « gérer un bon père de famille », c'est que je sais très bien que Brigitte Allain avait fait adopter ce texte et que ça nous permet, ça vous permet de venir et parler de Brigitte Allain, et puis ça me permet de réagir, puisque Brigitte Allain était une députée, comme l'avait été Daniel Garrigue, présente sur le terrain, qu'elle faisait avancer l'ensemble de ces dossiers comme a pu le faire Daniel Garrigue précédemment, et que j'aimerais bien que le député actuel nous permette également d'avancer un petit peu plus les dossiers, d'avoir des DSIL supplémentaires. Quand je vois qu'en 2018 ou en 2019, la ville de Bergerac est capable d'avoir entre 400 et 500 000 euros de DSIL et qu'en 2021, on est à peine à 150 000 euros, excusez-moi, j'aimerais bien savoir ce que fait le député pour le territoire bergeracois et pour Bergerac, à quel moment il est présent sur son territoire et quand est-ce qu'il vient demander des rendez-vous au maire de Bergerac pour faire avancer les dossiers ici. En tout cas, c'est vrai qu'on a eu des députés beaucoup plus performants par le passé. On s'y était peut-être avec Daniel Garrigue, puis avec Brigitte Allain. Et j'espère que les élections législatives qui arrivent et qui permettront d'avoir des candidats et des candidats de terrain qui souhaitent faire avancer les dossiers du Bergeracois. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour faire campagne. En tout cas, je ne sais pas si vos propos étaient une gestion patrimoniale dynamique ou dynamite. J'ai pas très bien compris depuis le fond. En tout cas, si vous avez dit que c'est une gestion patrimoniale dynamique, c'est très bien de parler de dynamisme quand vous parlez de la gestion du maire de Bergerac. En tout cas, sur les 34 millions, il ne faut pas qu'on mélange tout, Monsieur Frêle. Quand vous dites c'était du temps de Daniel Garrigue où il y avait l'assainissement, etc. Quand on parlait de l'endettement de la ville, on parlait toujours du budget principal. L'ensemble des budgets annexes n'était pas évoqué lors du... Enfin, il était évoqué lors du ROB, mais pas forcément dans le budget principal. Ce sont des budgets complètement différenciés. D'accord ? Donc quand on parle de 34 millions dans le ROB, c'est pas qu'on veut tendre à arriver à 34 millions dans les années à venir. C'est simplement que compte tenu du remboursement du capital de la dette dans les années à venir, compte tenu de notre capacité financière qui va s'améliorer grâce à la bonne gestion que nous allons mettre en œuvre sur les années à venir, forcément, on retrouve des marges financières supplémentaires à pouvoir rembourser des emprunts supplémentaires. On a des taux d'intérêt qui sont bas. Donc quand on emprunte, on réduit les intérêts de la dette. Et donc, on a des charges en moins. Donc, effectivement, on a une capacité qui peut s'améliorer. Mais attention, on est sur un rapport de notation budgétaire qui nous permet de regarder sur du long terme. C'est simplement que l'on dit que, compte tenu de ce que l'on attend comme épargne nette dans les années à venir et de la capacité à pouvoir investir davantage, on pourrait aller jusqu'à 34 millions. Mais ça ne veut pas dire que dans le mandat, on va aller à 34 millions d'euros de dette. Je rappelle que sur le mandat précédent, compte tenu de notre capacité à pouvoir rembourser, on avait toujours dit qu'on était plutôt aux alentours des 30-31 millions. Et si vous reprenez tous les propos de Daniel Garrigue, mon prédécesseur, au moment du ROB ou du vote du budget, il a toujours été dit entre 30 et 31 millions d'euros d'endettement au niveau de la ville. Simplement, aujourd'hui, la situation, on l'a bien améliorée sur le mandat précédent avec l'ancienne équipe municipale. On continue à l'améliorer sur ce mandat. On continue à avoir des charges, un budget de fonctionnement qui soit le plus maîtrisé possible. On continue à aller chercher un maximum de dotations, de subventions d'investissement pour pouvoir faire nos projets structurants. Donc oui, on considère, compte tenu des chiffres aujourd'hui en place et notre capacité de désendettement, à pouvoir aller vers 34 millions. Mais ne confondez pas avec les budgets annexes de ce qui a pu exister dans les années précédentes. C'est plutôt notre capacité à rembourser. Enfin, sur la ligne... je fais attention, Monsieur Frêle, et faisons attention. Vous disiez des fois, je me fâchais un peu trop. Vous voyez, je ne me suis pas fâché. Il y a eu une intervention qui a été faite auprès de la SNCF, auprès de la région. On l'a travaillé d'ailleurs avec mon collègue à la région, Christophe Catus, très impliqué sur ce volet transport, là où il était délégué précédemment. Et donc oui, il y a un travail qui est en train d'être mené avec la SNCF, avec Thierry Roy-Pétou, au niveau de notre vice-président à la CAB, chargé de la mobilité et des transports. Et donc oui, il y a un travail qui est mené en ce moment. Mais ne disons pas que c'est fait pour Périgueux contre Bergerac. C'est arrivé au même moment
parce que c'était leur réorganisation, mais ce sont des choses qui sont, complètement différentes. En tout cas, nous voulons tendre à réduire le temps de trajet entre Bergerac, Libourne, Bordeaux. On continuera à y tendre. Alain Banquet a participé à une visio avec la région, avec la SNCF, il y a une quinzaine de jours, trois semaines maintenant. Il a fait part de la volonté de la municipalité d'avancer vers cette direction. Il va être reçu bientôt pour travailler sur ce dossier. Donc vous inquiétez pas, on est bien sur ce sujet. Il est travaillé par l'ensemble de mes élus et moi-même. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour toujours faire la promotion de Bergerac et réduire le temps de trajet. Voilà, mes chers collègues, pour ce budget à haut niveau d'investissement qu'on souhaitait aborder dans ce rapport d'orientation budgétaire 2022. Est-ce qu'il y a des contre ? On prend acte. Donc si on prend acte, du coup, tout le monde prend acte. Mes chers collègues, voici sur ce rapport d'orientation budgétaire 2022. On passe au dossier suivant, qui est la participation au financement de la construction d'un stade de l'athlétisme. C'est Christophe-David Bordier qui présente cette délibération. Merci, monsieur le maire. Bon, comme vous le savez tous, nous avons presque un stade d'athlétisme. En fait, le partage des pourcentages donc sont à part égale entre l'État, la région, le département et la ville de Bergerac. Et la CAB, pardon, j'avais oublié la CAB. Et en fait, quoi ? Non, non. Et je veux rappeler ici, même si le maire l'a dit précédemment, que nous avons doublé la mise, qui était de 180 000 euros au départ, puisque l'État s'était désengagé. Nous avons donc décidé de contribuer un petit peu plus, à hauteur donc de 360 000, ce qui nous met à égalité avec l'ensemble des participants. Donc la ville de Bergerac a été sollicitée pour apporter son soutien financier à hauteur de 20% du montant du projet. Donc 360 000. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la participation financière de la ville de Bergerac au financement de la construction d'un stade d'athlétisme sur le site de Pic-Caillou à hauteur de 20% du montant global du projet. Cette participation sera versée en deux fois sur les exercices 2021 et 2022. D'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. Les crédits sont inscrits au budget principal de la ville, chapitre 204 en section d'investissement. Merci. Merci, monsieur Christophe Delibordier. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on ne va pas refaire le débat du pour ou contre, etc. Mais s'il y a des questions sur cette délibération, non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier suivant, c'est le retrait du renouvellement partiel de la commission d'appel d'offres et de la commission des délégations de services publics. C'est Joël Isius qui présente. Merci, monsieur le maire. La commission d'appel d'offres et la commission des délégations de services publics ont été élues par délibération. Le 1er juillet 2021, le conseil municipal a procédé au renouvellement partiel de ces deux commissions par une nouvelle délibération. Suite à un courrier du contrôle de légalité, il a été demandé le retrait de cette dernière délibération car il n'est pas prévu de procédure de renouvellement partiel de ces deux commissions et que le nombre de membres est suffisant pour son bon fonctionnement. Il est proposé au conseil municipal de décider le retrait de la délibération numéro D-202-10-075 du 1er juillet 2021 pour la partie renouvellement partiel de la commission d'appel d'offres et de la partie renouvellement partiel de la commission des délégations de services publics. Merci, monsieur le maire. Merci, c'est purement administratif, mais est-ce qu'il y a des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, l'attribution de bourses pour l'accompagnement d'athlètes bergeracois de haut niveau. C'est Stéphane Fradin qui présente. Merci, monsieur le maire. Attribution de bourses pour l'accompagnement des jeunes athlètes bergeracois de haut niveau. La ville souhaite soutenir ces jeunes athlètes de haut niveau représentant Bergerac lors des compétitions. Donc, nous avons Bilal Ben Ali, boxeur de 16 ans, licencié à l'USB, Victor Cazoran, basketteur prometteur de 16 ans, formé à l'USB Basket, Raphaël Chadourne, jeune joueur de tennis, licencié au Tennis Club Bergeracois, Anna Delahaye, marcheuse bergeracoise, licenciée au bac, Johan Durand, athlète international, 36 ans, licencié au bac également. Gabin Lenaour est un jeune volleyeur bergeracois
qui a intégré le pôle espoir masculin à Talence en septembre. Yoann Mouret, jeune joueur de tennis de 15 ans qui est au Tennis Club Bergerac. Et Tiliane Mouret, joueuse de tennis de 13 ans, licenciée également au Tennis Club de Bergerac. Les crédits correspondent sont inscrits au budget 2021, ligne 6714-40. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer les bourses suivantes aux sportifs de haut niveau bergeracois. 400 euros à Bilal Benali, 300 euros à Victor Cazoran, 300 euros à Raphaël Chadourne, 400 euros à Anna Delahaye, 500 euros à Johan Durand, 300 euros à Gabin Le Naour, 400 euros à Yoann Mouret et 400 euros à Tiliane Mouret. D'autoriser le maire à signer la convention de partenariat correspondant. Merci beaucoup. Merci. Mes chers collègues, est-ce qu'il y a des questions ? Non, c'est une vraie volonté municipale d'accompagner nos jeunes sportifs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la modification de la participation financière de la collectivité à la prévoyance des agents. Donc depuis 2014, la ville favorise la prévoyance des agents par le biais du versement d'une participation d'un montant brut de 12,50 euros. Dans le cadre des discussions sur le passage aux 1607 heures avec l'ensemble des agents de la ville de Bergerac, il était proposé d'augmenter cette participation à hauteur de 15 euros bruts mensuels dans les mêmes conditions que précédemment. Donc avec un versement de la participation à l'agent, un montant brut versé par mois, une participation réservée au contrat ou règlement garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité. Et l'application de la mesure prend effet au 1er janvier 2022. Donc certes un coût supplémentaire pour la collectivité, mais en tout cas un souhait de la collectivité d'accompagner l'ensemble de ses agents. Et ce qu'on essaye de travailler en ce moment, c'est de pouvoir l'augmenter petit à petit pour arriver à un montant de plus en plus important. Cette délibération, est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, concession cimetière, suppression de la répartition du produit au profit du CCAS. Marie-Claude Andrieux-Courbin. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc cette délibération porte sur la répartition des produits des concessions des cimetières pardon, dont vous avez l'historique sur vos dossiers. À savoir la gestion du champ commun où le carré des indigents fait partie des prérogatives du maire et les dépenses y sont consacrées sont réparties entre le budget principal de la ville et le budget du CCAS. Les travaux réalisés sur les 8 cimetières de la commune et sur le carré des indigents sont inscrits quant à elles sur le budget principal de la ville. Dans ce contexte, et pour une meilleure lisibilité budgétaire, Monsieur le maire propose d'interrompre le procédé de répartition et de reporter la part du produit des concessions des cimetières au CCAS au profit du budget principal de la ville. Les dépenses auparavant inscrites sur le budget du CCAS seront à compter de 2022 inscrites sur le budget principal de la ville. Cette écriture comptable n'a pas de répercussion sur le budget du CCAS. Le volet administratif concernant les indigents sera conservé par le service du CCAS. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la suppression de la répartition du produit au profit du Centre communal d'action sociale, à savoir un tiers du produit, et de l'affecter directement au profit du budget principal de la ville. Merci de votre attention. Merci Marie-Claude. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Monsieur Frel. Juste une question, Monsieur le maire. Et sauf si j'ai très mauvaise mémoire, mais tout est possible, il me semble que nous avions demandé en commission finance que nous soyons transmis le montant, uniquement à titre de curiosité, on ne va pas au-delà, mais simplement connaître le montant. Et puis du coup, j'en profite pour vous demander si on est bien sûr que ça sera compensé à l'euro près. Alors, Monsieur Frey, même si je n'ai pas le montant exact à vous donner, on vous le donnera après, il sera de toute façon compensé à l'euro près, puisque le CCAS, il est financé par la ville. Donc la subvention d'équilibre, c'est la ville. Donc soit il y a 20 000 euros de recettes qui arrivent par ce biais précédent
Et du coup, c'était 20 000 euros de moins donnés dans la subvention d'équilibre par la ville. Soit il y aura zéro dans cette nouvelle ligne et il y aura 20 000 euros de plus donnés par la ville. Donc on est vraiment sur une subvention d'équilibre du CSAS, donc ça n'a aucun impact pour le CSAS. C'est simplement pour que dans le budget principal de la ville, on ait les recettes et les dépenses afférentes qui soient bien dans le budget principal de la ville et qu'on ait ensuite la subvention d'équilibre par le CSAS pour ce qu'elle a besoin pour fonctionner. Voilà, donc il n'y aura pas d'impact financier pour le CSAS. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. On passe à la convention de forfait communal pour les écoles privées. C'est Marie-Lise Potron qui présente ce dossier. Merci, monsieur le maire. Depuis le 31 décembre 1959, les communes peuvent participer au financement des écoles privées sous contrat. La convention fixant les conditions de financement des dépenses des écoles privées est arrivée à échéance le 31-12-2020. Il convient donc de fixer le nouveau financement. Un montant actuel de la participation communale est de 684 euros par élève habitant la ville de Bergerac. Nous avons proposé une réévaluation à 806 et elle a été déclinée. En date du 27-09-2021, après étude et conciliation avec monsieur le sous-préfet, une nouvelle convention a été établie pour une durée de 6 ans à partir du 1er janvier 2021 et fixant le forfait à 870 euros, soit 186 euros de plus par enfant habitant à Bergerac. Une nouvelle évaluation du forfait sera réalisée courant 2023. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et toute pièce afférente à ce dossier. Merci Madame Potron. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? Alors j'ai Madame François et Madame Tégérizo. Faute de moyens suffisants, en sont réduites à utiliser par exemple la coopérative scolaire pour effectuer certaines dépenses qui devraient être prises en charge par les dépenses de fonctionnement. Les écoles privées ont plus de moyens que les écoles publiques. Il y a inversion de la problématique de la loi sur le forfait communal. Avec des dérives de la sorte, c'est désormais la défense de l'école publique qui est au centre de nos préoccupations. C'est maintenant l'école publique qui réclame la parité de traitement avec un réengagement significatif de la collectivité qui a fermé deux écoles publiques. Monsieur le maire, quelles répercussions financières sont programmées sur le budget de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires publiques de la commune ? D'autre part, à titre d'information, quel est le montant de la participation financière communale pour les écoles privées ? Autre point, la convention a été établie au 1er janvier 2021 sur les dépenses relevées dans le compte administratif 2019. Une nouvelle évaluation sera réalisée courant 2023. Avec la crise sanitaire et la fermeture des écoles en 2020 suite à cette crise sanitaire, les dépenses de l'exercice 2020 devraient être moindres. Ne serait-il pas judicieux d'avancer la nouvelle évaluation à 2022 en tenant compte des dépenses du compte administratif 2020 ? Et un dernier détail, enfin ce n'est pas vraiment un détail, il y a une correction à apporter à l'article 2 de la Convention, le montant en chiffres ne correspondant pas au montant en lettres. Montant en chiffres 870 en lettres, 877. Okay. Amendement accepté. C'était Mme Tégérizo. Oui, d'abord, vous précisez que nous sommes catégoriquement opposés au financement des écoles privées par l'argent public, puisque préjudiciable au service public laïque d'éducation. Le principe qui devrait tous nous animer est celui édicté dans le préambule de la Constitution de 1946,
qui dispose que l'organisation de l'école publique, gratuite et laïque à tous les degrés, est un devoir d'État. Or, les lois Debré, Karl Blanquer se sont attelées méthodiquement à ce que le public finance le privé, comme l'instauration du chèque éducation et la parité publique-privée, qui coûte à l'État 500 millions d'euros par an, et en plus que les 10 milliards déjà engagés. Autre point de désaccord avec ces lois, la République est censée ne reconnaître, ne salarier, ne subventionner aucun culte. Or, 95% des écoles privées sont confessionnelles. Cela dit, aussi critiquable que soient les lois, cette loi, la commune se doit de les appliquer. Néanmoins, et je rejoins là pour le coup Madame François, c'était avoir des précisions d'abord sur l'enveloppe globale attribuée aux écoles privées, puis le coût des mises à disposition qui sont prévues, ainsi que leurs répercussions. Je pense notamment, là aussi je rejoins notre collègue, à la mise à disposition d'agents municipaux qui risquent d'affaiblir notre service public au sein de nos écoles municipales au profit des écoles privées. Oui, Monsieur Ruet. Oui, en complément, pour vous donner aussi une indication de vote, nous allons voter contre cette augmentation du forfait communal pour les écoles privées. C'est même, je vais vous faire une confidence, la première fois pour ce qui me concerne, que je vais le faire, parce qu'effectivement, on est arrivé aux limites de l'acceptable. On est arrivé aux limites de l'acceptable, et je crois que c'était tout le sens de l'intervention de mes collègues, c'est qu'aujourd'hui, dans le service public de l'éducation, dans les écoles publiques de notre commune, il y a un sentiment profond d'injustice. De voir le budget des écoles privées, dans la part communale qui va leur être apportée, augmenter, alors que, comme vous l'a dit ma collègue, il y a tant de besoins qui ne sont pas couverts au niveau des écoles publiques. Ce n'est pas un détail qu'effectivement de faire appel aux coopératives scolaires pour arriver à payer les manuels pour les enfants de cours moyens. C'est ça la réalité de l'école publique. Je peux vous citer l'exemple, l'école André Malraux. Alors, je vais vous dire comment on le finance avec la coopérative scolaire. Hein. On mange des madeleines bijoux 3 fois par an. C'est pas très bon pour la ligne, mais on fait ce qu'on peut. Mais c'est la réalité, et je peux vous assurer que les parents d'élèves n'en peuvent plus. Quand on dit qu'on a l'impression, qu'on a le sentiment que les enfants dans le privé ont finalement plus de moyens que les enfants du public, combien d'enfants du public partent en classe de mère, en classe verte ? Aujourd'hui, les enfants du privé peuvent y partir. Les enfants du public n'y arrivent pas parce qu'on n'arrive pas à boucler les budgets. Quand Madame François vous dit « oui, il va falloir faire attention aux économies réalisées en 2020 », pourquoi la direction de l'école Saint-Jacques s'est adressée aux parents à la fin de l'année scolaire 2020 en leur indiquant qu'ils avaient réalisé une économie de 14 000 euros ? Les parents attendaient d'ailleurs que ça leur soit finalement défalqué sur les frais 2021. Il n'en a jamais été question. Donc il y a, et ça c'est aussi le piège diabolique de cette loi. Il y a tellement d'opacité dans le mode de calcul pour arriver à savoir avec transparence quelles sont à la fois nos dépenses à nous d'école publique, mais surtout les budgets des écoles privées. L'OGEC est dans son rôle. Il ne s'agit pas de déterrer la guerre scolaire. L'OGEC est dans son rôle en réclamant toujours plus. La loi, elle demande juste la parité. Pas l'égalité. La priorité d'une commune, c'est l'avenir de ses enfants. C'est défendre ses écoles publiques. C'est là où se joue l'avenir. Et à côté de cela, alors, vous avez sollicité la médiation du sous-préfet. Avec le sous-préfet est dans son rôle en avertissant des risques de recours au tribunal administratif. Là, le panache, on en a besoin. Vraiment. Et votre opposition sera une nouvelle fois complètement avec vous et derrière vous. Il faut aller à une situation extrêmement tendue, parce que l'OGEC, partout en France, joue le même rôle, demande une augmentation exponentielle de la part communale. Mais nous sommes aussi dans notre rôle. Quand vous avez fait, vous, avec vos services, vous dites « j'ai confiance en mes services », quand vous proposez le premier chiffre inférieur à 700 euros, c'est que vous considérez légitimement que c'est la part du forfait communal. Si on cède à ce montant-là, bien, dans 3 ans, pourquoi l'OGEC ne serait pas conduite à demander 1 200, 1 500 euros ? Parce qu'effectivement, on fera toujours une médiation et puis on coupera la poire en deux.
Eh bien non, ce soir, moi je vous invite les uns et les autres à aller au-delà de vos disciplines de groupe, de défendre l'école publique et de voter contre cette augmentation du forfait communal. Et j'ai envie de vous dire, c'est même pas politique, mais bon sang, ne soyez pas ceux qui ont fermé deux écoles publiques et qui vont augmenter de 27% le budget des écoles privées. Merci, Monsieur Ruet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Bon, je peux pas en vouloir à ceux qui sont nouveaux élus dans la collectivité et qui n'ont jamais eu ce genre de délibération à passer en conseil. Alors, il y a l'idéologie. Madame Tégérizeau, je l'entends et je la comprends. Après, il y a la loi. La loi est très claire, c'est une obligation pour les collectivités de financer les écoles privées à la même hauteur que les écoles publiques. Ce qu'il veut dire, que s'il y a une augmentation ici de parts pour les enfants des écoles privées, ça veut dire qu'il y a une augmentation par la ville de Bergerac de l'ensemble des coûts pour l'ensemble des écoles publiques. Oui, nous faisons plus pour les écoles publiques de Bergerac. Donc oui, ça a augmenté l'ensemble du coût pour la ville de Bergerac, et donc ça augmente forcément le coût pour les écoles privées. Mais je peux vous dire que, Monsieur Ruet, le panache, on l'a eu. Et on l'a, le panache. C'est vous qui l'avez cité, c'est pas moi cette fois-ci. On l'a eu. C'est-à-dire qu'on n'a pas accepté, le souhait de l'OGEC à 1103 euros. On l'a travaillé. On a travaillé avec l'ensemble du service éducation, et je tiens vraiment à saluer ici l'ensemble des membres du service qui ont travaillé sur ce sujet. On a fait des répartitions en fonction des activités extrascolaires, des activités scolaires, de l'ensemble du temps passé dans la classe sur l'ensemble des fluides, puisque comment ça se pratique ? On prend le compte administratif de l'année, on extrait tout ce qui est l'ensemble des dépenses des écoles, et après on fait un prorata du temps passé entre les activités scolaires et non scolaires. Alors bien sûr, la discussion, elle n'a pas lieu sur les chiffres, c'est du compte administratif, c'est public, tout le monde les a. La discussion, elle se fait sur le prorata. Et quelles sont les discussions qu'on peut avoir sur ce prorata à mettre en œuvre entre les activités qui doivent financer l'ensemble de l'école en temps scolaire et qui ne doivent pas pour l'ensemble du reste du temps, que ce soit la partie cantine ou les différentes activités. Alors oui, j'ai refusé, et j'ai écrit ouvertement à l'OGEC, j'ai refusé catégoriquement, et je leur ai dit, si c'est ça, on part au tribunal administratif, et on ira s'expliquer devant le tribunal administratif. Ils ont fait appel, et c'est pas moi qui ai fait appel au préfet. L'OGEC a fait appel au préfet, a fait appel à une médiation du préfet. C'est statutaire. Donc ils ont fait appel auprès du préfet, le sous-préfet nous a reçus, il y a eu une discussion entre la ville de Bergerac et l'OGEC, et dans le cadre du prorata, c'est vrai qu'on avait peut-être un petit peu trop mis sur le temps qui n'était pas à prendre en compte, et donc on a réévalué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à une méthode de calcul qui est figée. Celle-ci, elle est figée dans le temps. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on prendra cette même délibération, au moment où on renouvellera la convention, on sera toujours sur les mêmes chiffres du compte administratif, toujours avec le même prorata, et on verra l'évolution à la hausse ou à la baisse. Mais si cette contribution est à la hausse, ça veut dire que la ville de Bergerac fait davantage pour ses écoles, ça veut dire que la ville de Bergerac a plus de dépenses de fonctionnement que précédemment et qu'elle veut faire plus pour la réussite de ses élèves. C'est ça que ça veut dire. Alors oui, on peut être contre cette délibération, et je l'entends, mais par contre, c'est une loi qui l'oblige. Donc l'ensemble de la majorité va le voter, parce qu'il faut bien qu'on avance sur ce dossier, et ensuite on aura la relecture dans les années qui viennent, en fonction des comptes administratifs qui viendront. Mais en tout cas, on fera jamais moins pour les écoles publiques de Bergerac, et ça je ne peux pas vous l'entendre dire, parce qu'on est encore une des rares communes à réaliser les temps d'accueil périscolaires, avec des activités scientifiques, sportives, culturelles, qui sont connues et reconnues sur l'ensemble de la ville de Bergerac. Et donc on souhaite continuer à le mettre en œuvre. On est une ville qui continue à investir sur l'offre numérique. Et quand on met 20 000 euros de base dans le rapport d'orientation budgétaire sur l'informatique, on va chercher des appels à projets et on obtient plus de 50 000 euros pour les classes numériques. Donc oui, on fait plus pour les écoles. Et on vient même récemment de mettre en œuvre les petits déjeuners pour l'ensemble des élèves de Bergerac. Parce que quand l'État fait un appel à projets et qui nous propose de mettre en place les petits déjeuners dans les écoles en quartier prioritaire politique de la ville, mais quelle est la différence entre un élève en quartier prioritaire politique de la ville et un qui ne l'est pas ?
comme vous faites une différence entre les élèves des écoles privées et des écoles publiques. Je n'en fais pas, ça reste des élèves de Bergerac qui doivent avoir les mêmes droits d'accès sur l'ensemble des dispositifs. Et oui, on fait plus pour les écoles de Bergerac, je sais que ça peut vous déplaire, mais là au moins vous le voyez par les chiffres, puisqu'à partir du moment où ça augmente, c'est qu'on fait plus pour l'ensemble de nos élèves. Donc voilà sur cette délibération. Je sais que d'un point de vue idéologique, certains peuvent être contre, je l'entends. En tout cas, on doit passer maintenant à la délibération du vote au niveau de la convention de forfait communal pour les écoles privées. Sur cette délibération, qui est contre ? Toute l'opposition ? On a un pouvoir de M. Benfédoul pour M. Fauvel, on a un pouvoir de Mme François, un pouvoir à M. Ruet. Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Le dossier suivant, c'est la convention de financement du socle numérique pour l'école élémentaire de Bergerac. Mais justement, je viens d'en parler. Marie-Lise Potron, vous allez pouvoir le développer. Oh oui, tout à fait. La ville de Bergerac a déposé un dossier de candidature dans le cadre de l'appel à projet France Relance pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Ce dossier a été déposé le 26 mars 2021 et il concernait 47 classes, soit 1200 élèves. Cela représente 80 ordinateurs pour un budget de 67 405 euros, avec une subvention de l'État de 40 896 euros. Reste à charge 26 509 euros. Cette convention de financement doit être renseignée sur la plateforme démarche simplifiée et sera signée entre Madame la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine et Monsieur le maire. La dépense est inscrite au budget principal chapitre 0090, article 2183, opération informatisation des écoles, et la recette chapitre 13, article 1311. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de financement, d'autoriser le maire à signer la convention et tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Encore un effort de la part aussi des services de se mobiliser sur cet appel à projet pour que tous les enfants de Bergerac en école publique profitent de cette avancée technologique. Merci Madame Potron. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous voyez, toujours plus pour les écoles de Bergerac. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier suivant, qui est l'école élémentaire Romain Rolland, école élémentaire La Moulette, désaffectation des locaux. On avait déjà beaucoup parlé de la fermeture de ces écoles. On a déjà évoqué ce dossier. Monsieur Ruet était intervenu précédemment. Donc ce qui vous est simplement proposé, c'est de retirer la délibération du 23 septembre, de prendre acte de l'avis du préfet en date du 29 octobre, qui est en annexe, de désaffecter les locaux du service public scolaire des anciennes écoles et de m'autoriser à signer tout document afférent à leur utilisation. On ne refait pas le débat. Si vous voulez intervenir sur la forme, je suis tout à fait d'accord, mais sur le fond, on passe à autre chose en délibération suivante. Monsieur Ruet. On ne va pas refaire le débat, mais moi, je suis très peiné ce soir, vous voyez. Je suis très peiné, mais parce que vous ne m'avez pas écouté. Et vous m'avez même menti. Et c'est ça qui n'est pas bien. Parce que, malgré tout, on débat, mais on est censé être entre gens plutôt sincères, qui ne pensons pas la même chose, parce que sinon, ça se saurait. Mais quand vous m'avez dit, ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas besoin de me confesser, on n'aura fait aucune erreur sur ce dossier, tous les éléments nécessaires à la désaffectation de ce bâtiment sont clairs, précis, tous mes services ont mis cette délibération, j'ai une entière confiance. Bon, vous nous avez menti. Vous nous avez menti délibérément. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'effectivement, d'abord, vous auriez pu retirer cette délibération et on l'aurait votée aujourd'hui, comme de bien entendu. Et puis ensuite, vous auriez pu continuer à bien écouter, à bien lire ce qu'avait mis sur cette délibération, parce que j'ai bien peur que la délibération de ce soir soit encore incomplète. Ah oui, oula. Dans la lettre du préfet, vous veillerez notamment à ce que soient explicitées les incidences de la mesure projetée au regard des besoins du service public de l'éducation et des nécessités de son bon fonctionnement. Ben dans la délibération, ça n'y figure pas.
Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on vote le retrait de la délibération et qu'on dissocie le vote sur la désaffectation des locaux. Parce que ce soir, la délibération, eh bien, je suis désolé, il nous manque encore, de manière explicite, les incidences de ces deux mesures de fermeture. C'est pas moi qui l'invente, c'est la jurisprudence administrative, c'est le droit, c'est comme ça, c'est ainsi. Vous fermez deux écoles du service public de l'éducation. Quelles sont les conséquences sur les autres bâtiments scolaires? Donc, on ne va pas recommencer, je ne vais pas m'en faire les gorges chaudes et m'empanacher moi à mon tour, mais votons le retrait de la délibération et je vous conseille de ne pas voter ce soir la désaffectation des locaux et d'attendre encore un peu et que ça soit complet. En tout cas, on votera contre et nous contesterons. Merci Monsieur Ruet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Frel. Oui, Monsieur le maire, une demande un peu identique à celle de Monsieur Ruet, une dissociation du vote, parce que vous comprenez aisément que nous allons voter dès demain le retrait de la délibération précédente, mais que nous allons voter tout aussi bien contre le fait de désaffecter ces deux écoles. Donc je vous demande de dissocier ces deux votes. Ça vous fera d'ailleurs qu'une délibération à repasser au prochain conseil municipal. Merci à vous. Alors, après la tempête Fabien qui a tant abîmé notre église, le père Fabien qui voudrait que je puisse m'excuser. Alors effectivement, j'ai fait confiance à mes services et je continuerai à faire confiance à mes services, mais l'erreur est humaine, Monsieur Ruet, et forcément, cette délibération n'était pas la lettre du préfet n'était pas en tout cas arrivée. Donc ce qui est certain, c'est que cette délibération a été contrôlée et validée, celle qu'on vous présente, par les services de la préfecture. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de problème à aller un peu plus loin. Par contre, si vous le souhaitez, si vous voulez qu'on y explicite un petit peu les incidences de cette mesure, on va proposer un amendement pour aller un petit peu plus loin dans cette démarche. On va expliquer un petit peu les choses et on va refaire le débat d'il y a plusieurs mois. Donc quelles sont les incidences de la mesure? Je propose l'amendement suivant, qui sera rajouté à la délibération, avec un paragraphe supplémentaire, mes chers collègues. D'abord, les incidences, c'est quoi? C'est de permettre à tous les enfants qui étaient dans cette école et qui n'étaient pas de ce secteur, de revenir dans leur secteur d'origine et d'être avec l'ensemble de leurs collègues et voisins. Donc ce qui a permis, quand même, pour de nombreux enfants, de revenir dans leur quartier d'origine et de sauver l'ensemble des écoles et des classes qui étaient sur ce quartier. Ensuite, sur l'ensemble des élèves qui étaient sur le secteur, l'incidence pour les 20 élèves de l'école de la Moulette, qui étaient du secteur de la Moulette, il a été de créer une classe supplémentaire de maternelle sur l'école Simone Veil Les Vores, ce qui a permis d'accueillir 17 des 20 élèves qui devaient y aller. Quant aux autres élèves, ils ont rejoint les écoles des différents secteurs et pour certains, en fonction de leur lieu de résidence, de vie ou en fonction des professions ou des familles, il a été proposé d'avoir des dérogations. Voilà les incidences pour la partie de la Moulette. Pour la partie Romain Roland, l'ensemble des enfants qui étaient hors secteur sont repartis dans leur secteur. L'ensemble des élèves qui étaient du secteur ont été soit sur Jean Moulin, soit sur l'Alba. Voilà l'incidence qui a été faite. La mise en place de la navette cœur de ville permet aux enfants d'aller, c'est aux parents, d'aller du cœur de ville vers l'école de l'Alba. Donc encore une incidence qui a été résolue. Et enfin, aujourd'hui, on a une moyenne sur l'ensemble des écoles de Bergerac. Et c'est ça, surtout, l'incidence qui aurait pu être dramatique si on avait eu des effectifs très hauts sur l'ensemble des écoles. Mais au contraire, comme on avait des effectifs déjà très bas, on a aujourd'hui une moyenne de 20 élèves par classe, ce qui est très confortable pour l'apprentissage de l'enfant et ce qui est confortable pour les enseignants. Et d'ailleurs, j'ai reçu ici l'ensemble des directeurs d'école dès la rentrée. Je les recevrai à nouveau début décembre pour faire un point d'étape avec eux sur la mise en place de cette nouvelle carte scolaire, la mise en place des petits déjeuners, la mise en place des temps d'accueil périscolaires, le travail de l'ensemble de nos ATSEM et du personnel des écoles, féminins et masculins, qui interviennent dans les écoles, sera l'occasion de faire un point d'étape sur l'ensemble de l'école. Donc, vous voyez, les incidences, elles sont explicitées. Maintenant, si vous avez d'autres questions, on est toujours prompt pour y répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a tout en œuvre. Monsieur Ruet, si vous voulez
envoyer votre CV parce que vous souhaitez postuler à un poste de juriste dans une collectivité, on ne sait jamais, vous pouvez toujours l'envoyer. En tout cas, il est évident qu'on ne va pas dissocier de retirer la délibération et le vote de la désaffectation des locaux. C'est une seule et même délibération avec un amendement que j'ai proposé sur le fait d'avoir explicité les arguments. Sur l'amendement qui est contre. Sur l'amendement que je viens de proposer, qui est contre ? Parole, monsieur le maire. Ah, pardon, monsieur Frel. Merci, monsieur le maire. Je demande la parole sur cet amendement que vous proposez comme ça au déboté. Je ne suis pas sûr d'avoir compris quel a été l'amendement complet, parce que vous avez dit « voici l'amendement » et vous avez parlé 5 bonnes minutes, donc je ne suis pas même sûr que vos services aient eu le temps de noter cet amendement. Mais on en comprend bien le sens. Pour pouvoir à tout prix faire passer cette délibération ce soir. Mais dans ces incidences, vous parlez notamment que, en gros, ce que vous avez dit, c'est que les enfants étaient mis à contribuer, les enfants hors secteur qui étaient scolarisés dans ces écoles, eh bien, allaient retourner dans leur école de secteur pour sauver les écoles de secteur. Mais pourquoi ne demandons-nous pas le même effort aux enfants des écoles privées d'aller sauver les écoles, les classes des écoles menacées. Et il y a bien là une différence de traitement. Et nous rejoignons le débat précédent. On fait et on continue à faire perdurer cette différence entre l'école privée et l'école publique en favorisant la première au détriment de la deuxième. Monsieur Frel, ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Oui, on a sauvé. Parce que je vous rappelle que le fondement même de la fermeture de ces deux écoles, c'était de sauver des classes. Je vous rappelle quand même le courrier de l'inspection académique qui voulait fermer 6 classes à Bergerac. Et au final, grâce à la réorganisation, au maillage territorial des écoles que l'on a réussi à faire à Bergerac, ce sont 2 postes qui ont fermé, non pas 6. Donc oui, on a réussi à sauver des postes d'enseignants sur les écoles. Et en plus, on a dédoublé des classes. Quand la dernière année de maternelle de Gambetta est dédoublée pour le meilleur apprentissage fondamentaux de l'écriture, de la lecture, des mathématiques, des chiffres, ça c'est important. Quand la classe de CP sur l'école Jean Moulin est dédoublée et qui permet encore une fois sur ses savoirs fondamentaux d'avoir des petits groupes de travail, oui, on a sauvé des classes sur Bergerac. Et oui, grâce à cette réorganisation des écoles, donc, on l'a réalisé. L'amendement, il est simplement pour dire qu'il y a des arguments supplémentaires que vous avez souhaité voir mis en œuvre compte tenu de la phrase sur les « soit expliciter les incidences de la mesure ». Je les ai explicités, un, sur où sont partis les écoles, les enfants qui étaient dans le secteur, où sont partis les enfants qui n'étaient pas dans le secteur, les moyens de transport qui ont été mis en œuvre pour accompagner les parents. Voilà, c'est bien explicite au niveau de cette délibération. Maintenant, qui est contre l'amendement ? Très bien. Qui s'abstient ? Donc, un. Une abstention, enfin deux avec le pouvoir. Et donc maintenant sur la délibération, qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient sur cette délibération ? Deux abstentions. Adopté à la majorité. On passe à la délibération suivante, les classes de découverte et journées culturelles, participation communale. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. L'école maternelle Cyrano de Bergerac demande une prise en charge pour une sortie pédagogique à l'auditorium, demain d'ailleurs, c'est le 19, pour aller voir le spectacle Mouche. Le budget s'élève à 600 euros, soit une participation de 10 euros pour 60 élèves. Donc la participation financière de la commune aux classes découvertes et journées culturelles mérite d'être revue. Afin de proposer un forfait plus équitable, la contribution financière de la ville sera retravaillée en 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder la participation communale à l'école maternelle Cyrano de Bergerac pour une sortie pédagogique au titre de l'année scolaire 2021 et d'autoriser le maire à signer les documents relatifs à la participation communale pour cette école. Merci. Madame Scotti, sur cette délibération, juste, hein, puisque Monsieur Frel est intervenu plusieurs fois sur ces classes de découverte, on est en train de travailler avec les services justement pour cette répartition financière. Et dans le cadre de la réunion que je vous ai parlé tout à l'heure avec les directeurs d'école qui aura lieu là début décembre,
On va le travailler avec eux et on va regarder un petit peu comment on organise à l'avenir l'ensemble de ces financements. Sur cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, c'est le tarif d'occupation du domaine public, l'augmentation de la durée des fêtes foraines avec la création de nouveaux tarifs. C'est Florence Malga qui nous présente cette délibération avec une photo sur le dossier 15 prise par les services sur la foire de Bergerac. Merci, monsieur le maire. Les fêtes foraines se déroulent habituellement pendant une durée de 15 jours, place de la République, et les forains sont autorisés à stationner leur caravane d'habitation à Picayou pendant 3 semaines, le temps du montage et du démontage. Considérant la demande des forains de prolonger la fête foraine d'une semaine, il a été convenu qu'ils prennent en charge la dépense supplémentaire due à la SAGS, inhérente à la neutralisation de la place de la République une semaine supplémentaire. Afin de répercuter le coût de cette semaine aux forains, il est nécessaire de créer un nouveau tarif qui s'élève de 3,54 euros le mètre carré. De même, la durée d'occupation du parking Picayou pour les caravanes est augmentée d'une semaine, 4 semaines au lieu de 3, et génère une augmentation des droits de place. Le coût d'occupation du domaine public serait de 28,25 euros par caravane pour la semaine supplémentaire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à créer ses droits de place, d'instituer les tarifs subvisés et d'autoriser le maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. Merci. Merci, Mme Malga. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Monsieur Frel. Oui, merci, Monsieur le maire. Évidemment, nous allons voter cette délibération qui va dans le sens de plus de convivialité. Vous êtes fait tout à l'heure le chantre de la transition écologique à Bergerac. Cette fête est bien foraine telle qu'elle est organisée à l'heure actuelle est bien peu exemplaire en la matière. Et je vous appelle, vous, vos services, à réfléchir, à faire évoluer celle-ci. Il y a bien des exemples de ce qu'on appelle des fêtes foraines écologiques qui existent avec des manèges qui seraient propres à enchanter les petits et les grands. Merci, monsieur Frel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant, c'est la délocalisation du marché de la Madeleine vers la place Barbacane. Et c'est Marie Lasserre qui nous présente cette délibération. Merci, monsieur le maire. En concertation avec les commerçants non sédentaires, nous proposons de transférer le marché du vendredi matin, qui était sur la place de la Madeleine, avant la crise de la Covid-19, vers la place Barbacane de façon définitive. En effet, depuis mars 2020, le marché est délocalisé. Afin de répondre de manière satisfaisante aux règles de distanciation imposées par la crise sanitaire et de mieux sécuriser le site. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la délocalisation définitive du marché de la Madeleine sur la place Barbacane et d'autoriser le maire à modifier en conséquence le règlement des marchés. Merci. Merci, Mme Lasserre. Effectivement, après concertation avec les commerçants du marché et puis une réunion qui a eu lieu avec les commerçants de la Madeleine, c'est une décision qui a été prise. Est-ce qu'il y a des interventions ? Oui, Monsieur Frel. Juste, Monsieur le maire, vous avez indiqué, je crois au moment du DOB, qu'une étude serait réalisée. Vous avez indiqué au moment du DOB qu'une étude serait réalisée sur les aménagements des rives, notamment rive gauche. Et je crois qu'en commission municipale, vous nous avez dit que notamment la place Barbacane serait réorganisée. Du coup, il faudra prévoir le sens inverse lorsqu'il y aura des travaux sur cette place-là. Et puis, je vous appelle à demander aussi à votre service propreté de passer, dès la fin du marché, vider les poubelles qui sont situées sous les fenêtres des habitants de la place, qui apprécient peu, notamment l'été, de respirer à plein nez le fumée des restes de poissons, notamment. Michael Deston va vous répondre sur ce sujet. Alors effectivement, pour les containers, la CAB passe, mais elle passe un peu après le marché. Mais c'est la CAB qui passe, et c'est pas la ville. Merci, M.
tombe effectivement, notre balayeur, lui, passe dès que le marché est terminé pour nettoyer toute la partie place. Et après, il faut que la cab vienne avec la benne pour prendre les containers. Sur la partie travaux, oui, on va réaliser l'étude sur la rive gauche et la rive droite de la Dordogne, des berges. Par contre, oui, là, c'est la délocalisation du marché parce qu'on souhaite qu'il y soit à titre permanent. Évidemment, s'il y a des travaux, et quand il y aura des travaux, il sera délocalisé à nouveau. Après, on verra dans le façage des travaux comment ça peut se réaliser. Cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est les autorisations du dimanche qu'on a vu déjà en conseil communautaire précédemment. Et c'est Josie Bail qui nous le présente. Monsieur le maire, chers collègues, donc cette délibération a pour but de donner un avis favorable au calendrier relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir 12 dimanches. À l'initiative de la ville, nous avons réuni le 20 septembre les commerçants bergeracois de la branche commerce de détail et les associations de commerçants qui ont sollicité effectivement ces 12 dimanches. Est-ce que je voulais peut-être je les cite tous, vous les avez tous sur votre délibération, hein ? Alors, en ce qui concerne le secteur de l'automobile, ils ont également émis le souhait d'ouvrir leurs concessions pour les périodes d'opération nationale. Et les dimanches proposés sont les suivants. Donc, vous les avez tous également. Janvier, mars, juin, septembre et octobre. La ville de Bergerac et Creil ont sollicité l'avis conforme du Conseil communautaire pour les autorisations exceptionnelles d'ouverture dominicale de magasins pour l'année 2022. Les dates retenues par les deux communes sont identiques. La commune d'agglomération bergeracoise a donné son avis favorable à l'issue du Conseil communautaire le 8 novembre 2021. Il est donc proposé au Conseil municipal d'émettre un avis sur ces ouvertures dominicales pour l'année 2022, pour la branche commerce de détail et pour la branche automobile, d'autoriser le maire à prendre l'arrêté correspondant. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions ? Madame Tégériso. Je vais vous redire que nous allons voter contre, comme la dernière fois. L'année dernière, nous avions voté exceptionnellement pour dans un contexte bien particulier, en vous spécifiant toutefois qu'il ne fallait pas que l'exception devienne la norme. Encore une fois, c'est répété que c'est le secteur du commerce, c'est beaucoup de femmes, beaucoup d'emplois précaires partiels, et que l'interdiction du travail du dimanche, c'était une conquête sociale. Encore une fois, une idée de la société qui, de toute évidence, nous n'avons pas la même. Et encourager le consumérisme à outrance un dimanche plutôt que de promouvoir la culture et autres loisirs, eh bien, c'est dommage. Voilà. Madame Tégériso, sur ces 12 dimanches, je dois vous dire qu'ils ne sont pas tous pris. Ils en consomment peut-être 5 ou 6, il ne faut pas croire. Et en ce qui concerne les entreprises, je pense qu'ils sont parfaitement dans les règles envers leur personnel et que les conditions légales de rémunération sont respectées. Donc, je veux bien croire tous vos arguments, mais n'oubliez pas une chose, que beaucoup maintenant d'employés dans ces entreprises sont contents de pouvoir travailler le dimanche parce que finalement, ils sont payés double et où ils peuvent récupérer. Attendez, en même temps, il y a M. Frel qui a demandé la parole. Alors, si c'est juste un complément, allez-y, enfin, mettez-vous d'accord. Mais... Non, mais on va évidemment pas être d'accord et je ne vais pas polémiquer. Effectivement, ils sont dans les règles et heureusement qu'il y a des règles et qu'il y a un code du travail. Et qu'il est appliqué. Maintenant, quand on est à temps partiel, non, c'est pas souvent pas un choix. Non, c'est pas la panacée. Et sur la base du volontariat du travail du dimanche, c'est absolument faux. C'est plus en réalité du chantage à l'emploi, avec encore une fois des travailleurs précaires et qui ont vraiment pas autre choix que de travailler le dimanche. Professionnel, quand il y a de telles réunions pour justement arrêter ces dimanches d'être présents, parce qu'on les sollicite, mais on ne les voit pas. Merci. Monsieur Frel. Oui, merci, monsieur le maire. Je vais dans le même sens que madame Tégériso. Vous l'avez deviné. Ce sont, dans les emplois du commerce, plus souvent des femmes.
Ce sont dans les emplois du commerce plus souvent des femmes jeunes. Ce sont dans les emplois du commerce aussi des femmes jeunes, mères de famille, et ce sont des femmes jeunes, mères de famille, qui souvent élèvent seules leurs enfants. Elles sont surreprésentées dans ce cas-là. Et là, sur les 4 dimanches qui précèdent les fêtes de Noël, sur les 4 dimanches, eh bien celles qui ne peuvent pas faire autrement, soit parce que il y a effectivement, elles s'interrogent sur la volonté qu'aurait éventuellement leur chef dans l'entreprise si elles refusaient un dimanche. Ou parce que, eh bien financièrement, oui, parce que là aussi, dans le travail du commerce, eh bien il y a plus souvent du temps partiel. Eh bien, elles ont besoin de ce financement. Mais pourquoi ont-elles besoin de ce financement ? Parce que la société, parce que les entreprises qui les emploient ont voulu des salaires qui soient les plus bas possibles, ont voulu flexibilité, c'est comme ça qu'on dit, je crois, de la flexibilité, et c'est souvent de la flexibilité qui est contrainte et qui a fait qu'on a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des contrats à 35 heures de travail. Travailler 4 dimanches d'affilée alors qu'on a des enfants, je suis désolé, mais c'est tout sauf effectivement une conquête sociale. Merci. Après, mes chers collègues, Monsieur Frel, je vous rappelle quand même que lorsqu'il y a, quand il y a des élections, les bureaux de vote sont le dimanche, qu'il y a de nombreux fonctionnaires qui sont secrétaires et qui travaillent les dimanches. Est-ce que nous-mêmes on montre l'exemple en organisant les élections le dimanche ? Alors vous voyez, on peut toujours avoir des arguments les uns et les autres. Et il y aura en 2022 4 dimanches où l'ensemble des fonctionnaires vont travailler pour tenir les bureaux de vote. Bon, voilà, donc s'il vous plaît, il y a toujours des arguments des uns et des autres. On va arrêter là le débat. En tout cas, c'est peut-être mon côté très optimiste, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'étudiants qui sont ravis de pouvoir travailler également ces dimanches-là pour se faire de l'argent pour leurs études, parce qu'ils en ont bien besoin, même si on essaye de les accompagner. Donc ça, c'est certain. Et puis, je vous rappelle que ça a été une réunion avec l'ensemble des commerçants, des représentants, des différents syndicats qui étaient invités, et donc on l'a travaillé ensemble. Donc pour une fois, par contre, c'est vrai, depuis quelques années maintenant, il y a des réunions communes entre Bergerac et Creys pour se mettre d'accord sur l'ensemble des dimanches. Ça aussi, c'est une bonne chose pour le territoire. Donc petit à petit, les choses évoluent. En tout cas, c'est le respect de la législation en vigueur. Donc mes chers collègues, je vous invite à voter. Qui est contre ? C'est le maximum de la législation. Qui est contre ? Alors contre, 1, 2, 3, 4, 5 avec le pouvoir. Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. On passe à la disposition suivante, c'est le campus connecté avec la convention de financement entre la Caisse des dépôts et la ville de Bergerac. Et on l'a évoqué tout à l'heure dans l'Europe, justement, sur les financements du campus connecté. C'est Éric Prolat qui nous présente cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez tous, la ville de Bergerac est labellisée et porte le projet Campus connecté Sud-Périgord. Ceci va permettre de répondre aux besoins de formation et d'accès aux études supérieures des jeunes bergeracois. Ce projet est soutenu par de nombreux partenaires qui ont tous un intérêt commun au développement d'un campus connecté à Bergerac. Implanté en centre-ville, il est par ailleurs en phase avec le projet de redynamisation du centre-ville engagé par la collectivité. Alors, afin de financer, de pérenniser ce projet, l'État a décidé d'accorder une subvention de 297 500 euros sur 5 ans à la ville et à ses partenaires par le biais de son opérateur, la Caisse des dépôts. Il est donc proposé au Conseil municipal d'accepter la convention de financement jointe en annexe ayant pour objet de définir les conditions de versement de la subvention, d'organiser les modalités de suivi du projet, de définir les engagements et obligations des parties et les modalités de mise en œuvre du financement par le porteur de projet. Et enfin, d'autoriser le maire à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Merci. Merci, M. Prolat. Est-ce qu'il y a des interventions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité.
On continue sur la même tendance avec le convention, cette fois-ci, entre le campus connecté, l'université de Bordeaux, l'université de rattachement. Éric Prola, toujours. Effectivement, les deux délibérations sont liées. Donc le dispositif campus connecté est porté et géré par une collectivité territoriale, en l'occurrence Bergerac, en partenariat avec une université dite de proximité, pour ce qui nous concerne, l'université de Bordeaux. Ainsi, l'université de Bordeaux développe au sein du campus bergeracois une offre de services spécifiques sur les volets suivants. Le système d'information, avec l'objectif de délivrer un accès aux outils en ligne et aux ressources numériques disponibles sur un environnement numérique de travail. L'orientation, accompagner les tuteurs et les étudiants du campus dans leur parcours, organiser les temps d'échanges et de rencontres tout au long de l'année. La documentation, accompagner le tuteur et les étudiants dans leur recherche documentaire, accompagner le campus connecté à la création d'un fonds usuel de documentation. Et enfin, la coordination avec l'animation du réseau des campus connectés, l'organisation d'un séminaire annuel et la participation aux instances de pilotage du campus connecté. Sur la subvention évoquée précédemment de 297 500 euros, la part reversée à l'Université de Bordeaux s'élève à 47 500 euros, soit 9 500 euros par an. À ce titre, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la convention de collaboration ayant pour objet de définir les engagements respectifs des parties, d'autoriser le maire à signer la convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Merci, Monsieur Prolet. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est Charles Marbeau qui va nous présenter l'autorisation de vente de gré à gré du matériel de l'épicerie sociale. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, l'épicerie sociale a fermé donc ses portes en juillet 2021 pour être remplacée donc par les CAP, les chèques d'accompagnement personnalisés pour ce qui est de l'aide alimentaire. Il reste donc de facto du matériel, du mobilier désormais inutilisé, mais encore en capacité de fonctionner et d'être donc valorisé, comme les frigos ou la caisse enregistreuse. De fait, étant soucieux du réemploi des matériels, le CA du CCS a délibéré favorablement pour la cession de ces matériels sur des sites spécialisés de gré à gré. Cependant, en vertu de l'article L2141, alinéa 5 du CGCT, qui précise que les établissements publics communaux qui changent en totalité ou en partie l'affectation d'objets mobiliers appartenant à ces établissements ne seront exécutoires qu'après l'accord du conseil municipal, il vous est donc logiquement proposé d'autoriser le CCS donc à mettre en vente le matériel et mobilier inutilisé et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. Merci de votre attention. Merci, M. Marbeau. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. On passe à la délibération sur le remplacement de deux véhicules pour le CCS. C'est Joël Cadraon qui présente. Merci, M. le maire. Le Centre communal d'action sociale possède deux véhicules vieillissants qui génèrent des coûts d'entretien de plus en plus importants. Les deux véhicules Peugeot 206 datant de 2005 nécessitent d'être remplacés. Conformément au code des marchés publics, une consultation a été lancée auprès de quatre fournisseurs locaux. Après analyse des offres, deux voitures de type Renault Clio ont été retenues auprès de JSD Automobile pour un montant de 24 200 euros. Le montant de reprise des deux voitures actuelles s'élevant à 617,52 euros a été déduit. L'article L2241-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les délibérations des établissements publics communaux qui changent en totalité ou en partie l'affectation d'objets mobiliers appartenant aux établissements publics communaux ne seront exécutoires qu'après accord du Conseil municipal. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la reprise des deux véhicules du CCAS par JSD Automobile pour un montant de 617,52 euros, d'autoriser l'achat par le CCAS de deux voitures d'occasion récentes de type Renault Clio, 90 chevaux génération, pour un montant de 24 200 euros auprès de JSD Automobile.
Merci. Cadran, est-ce qu'il y a des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, l'ouverture d'enquête publique pour le déclassement de la rue Arnaud-Daniel. C'est Corinne Gondono qui présente. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Madame et monsieur Farout ont fait une demande d'acquisition d'une partie de domaine public bordant leur parcelle cadastrée sous le numéro 299 de la section EP rue Armand-Daniel. Un voisin direct a été contacté et n'a pas montré d'intérêt. Pour autant, s'agissant du domaine public imprescriptible et inaliénable, selon l'article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sa libre disposition implique une procédure de déclassement préalable. En conséquence, une enquête publique de déclassement est nécessaire, même s'il n'est prévu de céder qu'environ 2 cm² de la parcelle cadastrée EP303. Il est proposé au Conseil municipal de prononcer l'ouverture d'une enquête publique de déclassement du domaine public cadastré EP303 pour 749 m² situé rue Arnaud-Daniel en vue de la cession d'une fraction d'environ 210 m² au propriétaire riverain, Madame et Monsieur Farout. Autoriser le maire à signer toutes les pièces différentes à la tenue de cette enquête publique. Merci. Merci Madame Gondono. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier suivant, l'opération d'effacement des réseaux aériens et rénovation de l'éclairage public, place Gambetta et avenue du Général de Gaulle. Michael Détombe. Merci, monsieur le maire. Suite au programme de rénovation de l'éclairage public et de l'effacement des réseaux, la place Gambetta ainsi que l'avenue du Général de Gaulle sont concernées par ces travaux. Il convient donc de solliciter le SD 24 pour ces deux opérations. Il est proposé au Conseil municipal de solliciter le SDE 24 pour les études d'effacement des réseaux aériens, d'extension et de rénovation, voire d'extension et de l'éclairage public pour la place Gambetta et la phase 3 de l'avenue du Général de Gaulle, route de Bordeaux. D'autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Destombe. Alors, vous le savez, dans le cadre de la convention avec l'USDE, on va renouveler tout l'éclairage public là sur les mois qui viennent. Sur l'ensemble du cœur de ville, de la rue de la Résistance au port, de la rue Saint-Esprit à la rue Neuve d'Argenson. Et là, on souhaite faire une opération spécifique sur ces deux endroits, dont la place Gambetta, puisqu'on souhaite rénover, réhabiliter complètement cette place et donc travailler avec le SDE pour la partie éclairage public et différentes bornes qui pourraient y être installées. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. La délibération suivante, c'est une cession d'une parcelle communale rue des Marguerites au profit de monsieur et madame Gaillard. Et c'est Joachina Weinberg qui présente. Merci monsieur le maire. La présente délibération concerne la cession d'une parcelle communale cadastrée DW196 d'une surface de 685 m², 6 rue Marguerite au profit de madame et monsieur Gaillard. En effet, afin de faciliter l'entrée et sortie de leurs véhicules de grande dimension, Madame et Monsieur Gaillard, domiciliés impasse Émile Cournour, ont sollicité une seconde entrée à l'arrière sur la rue Marguerite et souhaiteraient donc, à cet effet, un passage ou l'acquisition de la totalité de la parcelle. Aussi, afin de ne pas conserver une partie d'espace vert grévé d'un accès, une proposition d'achat de la totalité de la parcelle communale DW196 leur a été faite. Le 8 avril 2021, les domaines ont estimé celle-ci à 6 500 €. Dans l'objectif de rationaliser l'entretien des parcelles communales isolées, une baisse de prix a été consentie pour un montant de 5 000 €. Le dossier sera confié à l'étude Bonneval. Cette cession de la dite parcelle satisfaisant pleinement les deux parties, il est proposé au conseil municipal de décider la cession de la parcelle communale cadastrée sous le numéro 258 de la section DW pour 685 m² située rue des Marguerites pour le prix de 5 000 €. De désigner l'étude de maître Bonneval, notaire à Bergerac, pour la rédaction de l'acte et des formalités associées. De préciser que la totalité des frais relevant de cette acquisition sera prise en charge par l'acquéreur
d'autoriser le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces relatives à la régularisation du dossier. Vous en remercions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la cession du bâtiment ex-office de tourisme. Brunet d'Argenson, c'est Christian Bordenave qui présente cette délibération. Merci, monsieur le maire. Oui, je suis très content de présenter cette délibération. Pour une bonne raison, c'est que nous avons là un groupe immobilier bordelais qui a fait une proposition et qui nous semble effectivement intéressante. Donc je rappelle qu'effectivement, l'office du tourisme devrait être vendu dès l'instant où effectivement les locaux occupés aujourd'hui par la PP et puis les arts à souhait seront libérés. Le groupe immobilier Nobile donc, a montré son intérêt pour cet immeuble afin d'y réaliser des locaux commerciaux en rez-de-chaussée et 5 à 6 appartements de bonne qualité ou d'excellente qualité dans les étages. Donc pour ceux, ils ont fait une proposition à hauteur de 500 000 euros. Je rappelle que l'estimation de domaine était, c'est pas noté dans le rapport, on aurait pu le mettre, de 450 000 euros, avec conditions suspensives d'obtention du permis de construire, d'une part, et de libération des locaux par les structures occupantes au plus tard. Donc on a fixé l'échéance au 31 décembre 2022, d'autre part. Moi, je suis content de voir effectivement des promoteurs s'intéresser à notre ville et ce même groupe, je peux le préciser, a également acheté un immeuble place Doublée et un autre rue Neuve d'Argenson. Tout ça pour rénover une dizaine, chaque fois une dizaine, une quinzaine d'appartements de bon standing dans notre cité. Donc il est proposé au conseil municipal de céder le bâtiment de l'ancien office du tourisme et répondant aux références. Donc Immobilier Nobile avait faculté de substitution moyennant le prix de 500 000 euros, de constater qu'en sus une commission de 25 000 euros sera due par l'acquéreur et sera directement versée à l'agence Jeune Partner à Bordeaux, d'accepter de suspendre cette cession aux conditions suivantes, obtention du permis et libération des locaux, comme je l'ai dit, au plus tard au 31 décembre, désigner l'étude de Maître Bonneval pour représenter les intérêts de la collectivité, d'autoriser monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces relatives à la régularisation du dossier. J'ai oublié simplement de préciser qu'il y avait appel à concurrents, dont il y a eu deux autres candidats, mais qui n'ont pas pu s'aligner sur le prix qui était proposé par le groupe immobilier Nobile. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Bordenave. Expliquez un petit peu aussi le devenir des structures qui sont en ce moment dans le bâtiment. D'abord, l'APP, puisqu'on les a rencontrés. Ils sont ravis de pouvoir avoir des nouveaux locaux plus accessibles et surtout de la proposition qui leur a été faite de pouvoir rejoindre le plateau du Crédit Agricole avec le campus connecté. Il y a un vrai lien d'offre de formation sur notre ville. Le souhait pour eux de rester en centre-ville de Bergerac, compte tenu de certaines problématiques de mobilité que peuvent rencontrer l'ensemble de leurs usagers. Et ensuite, l'association et le groupe d'associations qui est en rez-de-chaussée de l'ancien office de tourisme, qui a été rencontré plusieurs fois, qui nous a envoyé récemment son cahier des charges et son souhait, à qui il a été proposé de pouvoir aller sur l'annexe de la maison des associations avec le futur déménagement de l'école de la deuxième chance. Donc un vrai accompagnement sur notre tissu associatif local, sur des locaux adaptés, accessibles et avec des travaux à économie d'énergie qui sont réalisés. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Frel a une question. Oui, merci, monsieur le maire. Il ne me semble pas que le candidat acheteur retenu soit quelqu'un qui œuvre dans le logement social. Et c'est quelque chose qui m'amène à vous interroger sur une réflexion que vous avez faite lors du dernier conseil d'agglomération de Bergerac. Où vous avez fait la preuve avec beaucoup de panache ou de colère ou de je ne sais pas quoi. Vous avez dit jamais tant que je serai là, ma ville respectera la loi, c'est-à-dire d'atteindre les 25% de logement social à Bergerac. Et c'était peut-être là l'occasion d'aller vers un peu plus de logement social. Vous teniez aussi à ce qu'il y ait de la mixité, de faire des choses en centre-ville. Bah, voilà une occasion rêvée. L'article 55 de la loi de solidarité de renouvellement urbain n'est pas quelque chose d'optionnel.
dans notre territoire. Je vous rappelle que la loi Allure de 2018, appelée loi Duflot aussi, a renforcé les sanctions pour les communes. Du coup, vous avez la possibilité de vous mettre hors la loi en n'atteignant pas ces 25%, de mettre la commune hors la loi en n'atteignant pas ces 25%. Ça peut être votre ambition, qui correspond bien, effectivement, à une tendance un petit peu d'un courant économique libéral. Mais du coup, même si je déplore cette attitude, ce que je souhaite savoir, c'est quelles seraient les sanctions pécuniaires pour notre commune si nous n'atteignions pas cela. Est-ce que votre position de principe que vous avez déclamée l'autre soir était... Quelle sera la conséquence économique de cela pour la ville ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Bon, Monsieur Frel, je vais être très clair avec vous. On a toujours dit, et je voulais rappeler en conseil communautaire, qu'on s'est engagé à atteindre les 20% de logements sociaux sur la ville de Bergerac. Et c'est un objectif. Non, je vous parle de notre objectif, je vais parler après de la loi. Notre objectif, c'est d'atteindre 20% de logements sociaux à Bergerac. Pour cela, on accompagne. On accompagne les bailleurs à travers des participations lorsqu'il y a des projets. Jusqu'à présent, c'est 1 000 euros par logement. La communauté d'agglomération dont nous sommes partenaires vote des subventions et des participations à hauteur de 3 000 euros par logement. Le département, dans le cadre de l'aide à la pierre, en tout cas, aujourd'hui, toutes les collectivités accompagnent l'ensemble de la construction, de la réhabilitation de logements sociaux sur l'ensemble du territoire. On a de grands projets sur le logement social. D'abord, avec Urbalist Habitat, la livraison de la rue Saint-Michel avec 18 logements. On a également, avec Mésolia, un projet de 15 logements sur la rue La Canale, là où il y avait avant les Restos du Cœur. Un projet de démolition-reconstruction dans le boulevard Beausoleil, où il y a aujourd'hui 40 appartements qui passera à 64 appartements dans les années à venir, donc 24 appartements supplémentaires. Un projet avenue Aristide Briand avec 20 maisons de logements sociaux supplémentaires, là où il y avait avant l'ancien magasin Big Mat à côté de l'école. Donc oui, il y a à peu près 200-250 logements, sans oublier Périgord Habitat, qui continue à construire ses logements à Bergerac. Donc oui, il y a des logements sociaux qui se construisent sur le territoire de Bergerac, et on va continuer à inciter la construction de ces logements à partir du moment où on respecte les 20% et qu'on tend à aller vers les 20% de logements sociaux sur la ville. Bien sûr, on demande aux bailleurs d'aller plus loin sur la réhabilitation de patrimoine existant plutôt qu'à d'avoir un étalement urbain sur la ville. C'est pourquoi on est en train de travailler avec des bailleurs privés pour qu'ils nous revendent soit l'immeuble et qu'on puisse le réhabiliter, surtout quand c'est des immeubles vétustes où nos services salubrité interviennent régulièrement pour des problématiques liées au logement. En tout cas, il y a un vrai accompagnement sur le terrain que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc oui, il y aura des logements sociaux qui vont se construire à Bergerac dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc on est pour le logement social et on l'accompagne. Je l'ai toujours accompagné. Et en tant que président d'Urbalist Habitat, on est en train de regarder les futures constructions qui pourraient arriver sur l'île Aubergren au niveau d'une quinzaine de logements à cet endroit-là. Et on continue à regarder où c'est qu'on peut construire. Donc oui, on fera du logement social. En ce qui concerne l'article 55 de la loi SRU, je rappelle que si aujourd'hui on paye l'indemnité, mon cher monsieur Frel, en fait elle est d'environ 250 000 euros à peu près, grosso modo si mes chiffres sont bons, entre 250 et 300 000. Sauf que on ne la paye pas parce que la ville de Bergerac la paye indirectement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle continue à accompagner les acteurs du logement social à venir construire sur notre territoire des logements, ce que l'on fait, ce qu'on prouve à l'État dans le programme pluriannuel d'investissement des années à venir, on prouve à l'État qu'il y a de la construction de logements qui se fait et que la ville participe financièrement, soit en donnant des terrains ou en les vendant à 1 euro et on le valorise en euros réels, soit à travers les participations qu'elle peut mettre en œuvre, eh bien, on n'a jamais eu pour l'instant à payer cette pénalité. Mais on pourrait très bien l'avoir un jour, mais tant qu'on continue à promouvoir le logement social, à participer financièrement à sa construction, on n'a pas les pénalités à payer. Cette délibération... Oui, monsieur Ruet. Vous m'avez vu surpris à l'annonce des 64 logements au boulevard Beausoleil, et on ne peut que l'être, parce que on a longtemps travaillé, y compris avec vous,
dans le mandat précédent sur de la mixité sociale à l'échelle de chaque quartier, de faire en sorte justement d'éviter de reconstruire des quartiers où il n'y aurait que des logements sociaux. Enfin, là, 64 logements boulevard Beausoleil, auxquels il faut adjoindre les trois petits bâtiments qui sont à côté, qui viennent d'être achetés par Mésolia, donc une vingtaine de logements, on passerait à 88. Il y a la MAT juste en face, la cité Jean Moulin et ses 315 logements qui sont au bout, et la résidence Pierlotti qui est juste à l'autre côté. Enfin, on concentre les logements sociaux sur cet axe-là. C'est 64 logements, et en plus, vu le parcellaire que je connais assez bien, ça veut dire qu'on va détruire l'espace vert qui était tout autour parce que de ces résidences Beausoleil. Là, on concentre le logement social comme on ne l'a jamais fait depuis très longtemps, en tout cas depuis l'ANRU, quoi. Donc c'est là, pour le coup, je crois que 64 logements sur Beausoleil, ce que disait Lionel Frel sur une résidence comme celle-là, parce que Christian a été un peu évasif en disant du standing, enfin, on ne sait pas trop, est-ce que c'est du conventionné ou c'en est pas, sachant qu'il n'y a pas de garage, donc pas de parking, etc., même s'il y a la place en face, voilà, je savais bien que vous alliez me dire ça, mais dans les règles d'attribution du permis, il me semblait que pour construire des logements, ou en tout cas réhabiliter des logements, il fallait des places de stationnement équivalentes, bon, ça, c'est de l'instruction de permis, bon. C'est par des petites opérations comme ça qu'on peut justement mixer le logement social. Attention à ne pas créer un boulevard de la pauvreté autour de Beausoleil, parce que ça ne rendra absolument pas service à la mixité sociale dans cette ville. Merci, Monsieur Rué. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 40 logements sociaux à cet endroit-là, que le but quand même des commissions d'attribution de logements, c'est aussi d'organiser cette mixité sociale, qu'on sait que ça va être quand même des logements neufs qui vont être entièrement construits, avec pas forcément, et on le sait, M. Rué, pour avoir été ensemble en commission d'attribution de logements, c'est pas qu'il y ait des personnes en précarité qui vont dans les logements sociaux. On peut avoir tout type de population. Et donc, c'est cette mixité-là sur laquelle on sera très attaché. Et c'est pourquoi, de temps en temps, et vous le savez, hein, je me bats contre l'État en ce qui concerne les DALO, parce que je suis pas d'accord avec certains DALO et on les fait pas passer. Parce que pour moi, il y a DALO et DALO. Je rappelle que c'est le droit opposable au logement et qui permet à certains de pouvoir venir en logements sociaux. Mais moi, ça dépend un petit peu l'origine du DALO. Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit aux préfets successifs. On va passer à la délibération suivante. Monsieur Frel, j'ai tenté. Merci, merci, monsieur le maire. Vous n'avez pas été assez rapide. Parce que, quand même, j'attire quand même votre plus grande vigilance. Parce que quand même, parmi les sanctions qui sont prévues, qui sont possibles, et cela a été déjà exercé dans certaines villes de l'Île-de-France, c'est la possibilité de la reprise par la préfecture de la délivrance des autorisations d'urbanisme. En clair, de la possibilité d'autoriser les permis de construire. C'est ça, une des sanctions qui guette notre ville. C'est aussi la reprise automatique du droit de préemption urbain de la commune pour la réalisation de logements sociaux par le préfet. Ce sont en plus des conséquences financières, ce genre de choses, qui, je suis sûr, vous ne le souhaitez pas pour notre ville. Oh, monsieur Frel, je ne suis pas inquiet sur les possibilités de l'État de mettre en œuvre de telles procédures sur des territoires comme les nôtres. Ça m'étonnerait. D'abord, ils n'ont pas forcément les moyens. Et ensuite, on leur rappellera quelques patrimoines, propriétés de l'État qui pourraient être très bien mis à disposition assez rapidement. Mes chers collègues, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'avenant à la convention de gestion avec Mésolia. C'est Farida Moubi qui présente. Merci, monsieur le maire. Courant 2020, trois baux amphithéotiques souscrits par la ville sont arrivés à terme. Avant la rétrocession à Mésolia, il a été signé une convention de gestion suivant laquelle le bailleur doit reverser à la ville la totalité des loyers. Cette convention de gestion étant arrivée à terme, il convient de la renouveler jusqu'à acte de cession. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le renouvellement de la convention de gestion signée le 18 mai pour les trois immeubles avec Mésolia, qui devra en assurer la gestion locative et reverser le montant des loyers à la collectivité. Autoriser monsieur le maire à accomplir toutes les formalités pour la signature de la,
de l'acte. Merci. Merci. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la cession d'un lot de copropriété correspondant au premier étage du bâtiment, et c'est moi qui le présente. Dans le cadre donc de notre projet de formation, vous le savez, je voudrais quand même rappeler l'origine, quand même, parce que c'est bien un petit peu de rappeler les choses. Sur le mandat précédent, on avait travaillé sur cet immeuble et sur les trois plateaux, on avait essayé de les acquérir. On n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur le prix avec l'ensemble des copropriétaires, où il y avait au premier étage un cabinet d'expertise comptable, au deuxième étage l'école du CEF de John Bost, et puis au troisième l'école EPSECO à l'époque. Et donc sur ce mandat, vous savez, on a un promoteur immobilier sur la ville qui est propriétaire d'un immeuble Place Gambetta, propriétaire d'un immeuble Place du Foirail, deux bâtiments dont il ne fait rien et dont il n'a pas de projet. Et donc nous avions décidé, et je l'assume complètement, c'était de faire en sorte que ce promoteur n'achète plus un mètre carré sur Bergerac et qu'on allait préempter au fur et à mesure l'ensemble des locaux qu'il essaierait d'acquérir. Et donc quand on a vu passer les trois plateaux au-dessus du Crédit Agricole en vente à ce promoteur, on a immédiatement réalisé le droit de préemption, d'abord avec la CAB puisqu'il n'avait pas été transféré à la ville, et ensuite le dernier à la ville. Et donc, on souhaite, sur le deuxième étage, y faire notre campus connecté. On l'a vu tout à l'heure avec les différentes délibérations. Quant au premier et au troisième étage, il n'y a pas d'intérêt particulier pour la ville. Mais au contraire, avec la SEM, la Société d'économie mixte de la ville de Bergerac Urbalis Habitat, on souhaite y faire une partie hôtel d'entreprise, une partie offre de formation qui puisse être portée par du privé ou par des associations, ou en tout cas que ça puisse être porté par la SEM Urbalis Habitat. Et donc, on propose que le premier étage dont on avait préempté à l'origine, on puisse le revendre à la SEM Urbalis Habitat, comme la CAB a revendu le troisième étage à la SEM Urbalis Habitat et comme la CAB a revendu à la ville ce deuxième étage. En tout cas, on est vraiment dans la dynamique de réhabilitation complète de cet immeuble. Une première réunion du syndic de copropriété s'est réunie la semaine dernière de façon à pouvoir adopter l'ensemble des travaux liés à la copropriété, c'est-à-dire les changements de façade, changements de menuiserie, réisolation et pose de l'ascenseur intérieur sur le bâtiment, ce qui va nous permettre, dans le cadre de la réaménagement complet de ce cœur de ville, avec la future halle du marché couvert, la future aménagement de la place Louis de la Bardonie et rue Paulbert, d'avoir en plus cette dernière verrue là en plein cœur de ville, entièrement réhabilitée. On va travailler, pourquoi pas, sur de la végétalisation en façade sur celle qui donne sur la petite place Passage Bobinski, de façon à avoir une continuité visuelle, urbanistique, quand on arrive par la rue Paulbert, vers la place du marché couvert. Donc voilà notre souhait de pouvoir revendre maintenant ce bien à la SEM Urbalis Habitat. Donc, mes chers collègues, les administrateurs ne prendront pas part au vote. Moi-même, Josie Bail, Gérald Trapi, Fatia Bancal, Christian Bordenave, Alain Banquet. Et donc, s'il y a des questions, on est prêt à prendre les questions. S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant, on arrive à la motion pour l'extinction totale ou partielle de l'éclairage public. Et on laisse Monsieur Tégérizeau ou Madame Tégérizeau ou Monsieur Frel, pardon, le présenter. Qui c'est ? Monsieur Frel. Oui, merci Monsieur le maire. Nous sommes au lendemain de la COP26. La ville a entamé une rénovation de son éclairage public. Il y a deux mandats de cela, d'ailleurs, avec notamment une baisse de 40% de l'intensité lumineuse entre 23h30 et 5h30 du matin. L'éclairage public est un levier important de la transition écologique. Nous estimons qu'une seconde étape s'avère maintenant nécessaire. L'éclairage public est la première cause de pollution lumineuse. C'est le deuxième facteur de disparition des insectes après les pesticides. 30% des vertébrés, 65% des invertébrés sont nocturnes. C'est une menace avérée pour la biodiversité, donc, mais aussi pour notre santé. Dans son rapport adopté le 29 juin 2021, l'Académie nationale de médecine indique que l'exposition à la lumière la nuit doit être considérée comme un perturbateur endocrinien, favorisant le stress, l'obésité, le cancer, la qualité du sommeil. Et demande parallèlement au pouvoir public de l'inscrire comme préoccupation importante de santé publique. Diminuer les consommations liées à l'éclairage public permettrait à la ville de maîtriser l'impact budgétaire d'une énergie qui ne cesse d'augmenter, comme on le voit à l'heure actuelle, et contribuerait également à la préservation de l'environnement en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Au titre de votre pouvoir de police, monsieur le maire, vous pouvez décider de diminuer ou d'arrêter l'éclairage public tout en assurant
la sécurité et la commodité de passage sur les voies soumises à sa surveillance. D'après le retour d'expérience, plus de 10 000 communes recensées par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, il apparaît que l'extinction réfléchie de l'éclairage public n'a pas d'incidence notable. L'éclairage public ne constitue donc pas une nécessité absolue. Pour être acceptée, cette démarche doit se faire en informant et en consultant préalablement les habitants. Pour ce faire, la ville pourrait solliciter les conseils de l'association que je viens de citer, qui est une référence nationale en la matière, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1994, qui est agréée pour la protection de l'environnement depuis 2014, et de nombreuses communes font appel à elle. Au regard du caractère touristique, en période de fête ou d'événements particuliers, l'éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit. Et c'est pour ça que cette motion ne vous propose pas quelque chose de révolutionnaire, mais simplement, premièrement, que le conseil municipal adopte le principe visant à diminuer l'éclairage public tout ou partie de la nuit. Le conseil municipal s'engage à procéder à des phases de test d'extinction de l'éclairage public. Le conseil municipal demande qu'une somme provisionnelle soit inscrite au budget 2022 pour la réalisation d'une étude si nécessaire. Et le conseil municipal souhaite que l'obligation d'extinction parallèlement entre 1h et 6h du matin des publicités en scène bâtiments non résidentiels, que sont les bureaux, les commerces, les bâtiments publics, les vitrines, soient respectées, pardon, et que M. le maire, en charge du respect de ces dispositions légales, mette en œuvre, en demeure, les contrevenants de cesser. Merci M. Frel. Qui veut répondre ? M. Bordenave. Bon, Monsieur Frel, il faut d'abord que je modifie quelque chose que vous dites dans la motion au niveau de la baisse. La baisse de 40% n'est pas de 40%, mais elle est réellement de 60%. 40%, c'est la diminution de l'intensité. En fait, c'est l'ampoule elle-même qui a été ramenée à 40%. 100% à 40%, eh bien, vous avez donc une diminution de 60% de l'intensité lumineuse entre 23h30 et 5h30. Et le professeur d'économie que vous êtes va apprécier. Ensuite, sur l'éclairage public, ben oui, on est engagé dans un programme de réduction et de limitation de l'éclairage public et surtout d'économie au niveau du fonctionnement, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire, de 500 000 euros qui était le montant de consommation annuelle sur l'éclairage public, on est aujourd'hui à quasiment 250 000 euros par an. Donc tout cela a été diminué de 50%. Par contre, bon, il y a des choses que vous dites et qui me paraissent intéressantes, effectivement. Pourquoi pas essayer de continuer à travailler sur un certain nombre de points, d'éléments. Et donc là, il y a deux choses peut-être qui sont au moins à souligner. Au niveau du RLPI, du règlement local de publicité intercommunale, on va effectivement travailler sur les obligations d'extinction des vitrines. Mais bon, elle existe aujourd'hui. Effectivement, vous avez raison. Elle pourrait être appliquée. Et puis, deuxièmement, avec le SDE, le SDE est engagé dans une politique aussi d'essayer de trouver des économies. Et ils nous ont annoncé récemment l'idée d'essayer de travailler les trames noires. On connaissait les trames vertes, on connaissait les trames bleues. Et nous avons aussi, paraît-il, les trames noires, et ce qui serait donc des extinctions de secteurs, mais analysées, étudiées préalablement, dont le SDE doit commencer, si l'information est bonne qu'ils nous ont donnée, doit commencer par l'agglomération périgourdine. Bon, pourquoi pas, demain, effectivement, travailler sur l'agglomération bergeracoise. Mais de toute façon, rien ne pourra se faire sans la concertation avec les habitants, et je crois que c'est ce qui est essentiel dans ce dossier. Voilà quelques éléments que je voulais donner par rapport à cette motion. Si, Monsieur Bordenave, bon, moi j'ajouterais quand même un élément, c'est celui de l'aspect sécuritaire, qu'il ne faut pas oublier. Le premier élément de sécurité dans notre ville, c'est son éclairage. Et donc pour moi, il est quand même important que l'éclairage public soit allumé, même si l'intensité est moindre. Et de toute façon, si un jour on devait travailler avec le SDE dans une démarche de trame noire ou d'extinction d'éclairage public,
sur des endroits de la ville, il y aurait évidemment une zone test, évidemment travailler en concertation avec l'ensemble des habitants du quartier, parce que ce n'est pas une décision qu'on prend tout seul ici en conseil municipal, mais au contraire, c'est comme de nombreuses actions que l'on souhaite mettre en œuvre sur notre territoire, ça se prend avant tout avec les habitants, c'est toute la concertation qu'on a mis en place depuis maintenant de nombreux mois. Monsieur Frel, si vous voulez intervenir une dernière fois, mais vraiment dernière, parce que je vois que votre doigt commence à se lever. Monsieur Frel. Si maintenant vous me précédez, monsieur le maire. Oui, simplement pour repréciser, c'est bien le sens de cette motion, c'est que quelque chose soit réfléchi, testé, étudié, et que cela ne soit pas imposé de but en blanc au Bergeracois. C'est bien cette idée qui transcende cette motion, celle de l'étude, du test, mais absolument pas de l'obligation demain à faire, si ce n'est en matière de cette fameuse loi sur les vitrines lumineuses que vous pourriez tout à fait faire mettre en œuvre dès maintenant. Mais personne n'ira se lever à 2h du matin pour vérifier si vous êtes au pied des vitrines à essayer de les faire éteindre. Merci Monsieur Frel, merci à toutes et à tous. Donc d'abord, on va la faire voter quand même. En ce qui concerne la majorité, nous voterons contre cette motion, mais celles et ceux qui sont pour la motion, 2, 3, 4, 5, 6, 6, qui s'abstient, 0, donc elle est refusée à la majorité. Mes chers collègues, merci de votre présence en conseil municipal. La prochaine fois, on se retrouve salle Anatole France. La séance est levée.